C'est parti. Est-ce que c'est bien parti? Allô, allô, est-ce que... Je pense que c'est bon. Je ne sais absolument pas. Je ne sais. Oui, c'est bon. Apparemment, je vois des commentaires, donc c'est bon, c'est parti. Bon, alors, bonsoir à tous et à toutes. À moins que ce ne soit à toutes et à tous. Et désolé pour ce petit cafouillage de départ qui est dû. L'appréhension imparfaite des nouvelles technologies. Bienvenue pour cette nouvelle édition d'un Facebook Live. On va directement commencer avec les quelques questions que vous avez eu l'amabilité de me poser. Alors, je vais prendre, comme tout bon démagogue qui se respecte, celle qui a recueilli d'abord le plus de suffrages. Donc, la première question, c'est... Non, pardon, je vais d'abord faire une toute petite remarque, puisqu'il se trouve que c'était posté sur ma page Facebook ce matin, sur le portrait de reporter. Alors, je vais faire une remarque plus large. Quelques précisions. La première précision, c'est que je ne suis jamais candidat à un portrait. Je trouve que c'est un exercice journalistique. À titre personnel, j'apprécie pas. C'est-à-dire que je ne lis pas les portraits des autres, ou vois très peu les portraits des autres. Maintenant que je suis un tout petit peu de l'autre côté de la barrière, je trouve que ça a les inconvénients suivants. Le premier, c'est que ça crée de la distance entre la personne qui est l'objet d'un portrait et les gens avec qui elle travaille. Ça crée un effet non désiré de starisation. Et du coup, c'est inconfortable pour moi, cet exercice-là. C'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas du tout candidat. Parce que ça conduit à ce que les collaborateurs avec lesquels je travaille me voient sous un œil un peu différent, un peu plus lointain, un peu plus... enfin voilà, plus quelqu'un vraiment du quotidien, quoi. Voilà, c'est un inconvénient, comme tous les inconvénients, c'est rare qu'on court après. La deuxième raison pour laquelle je ne suis pas du tout candidat, c'est que ça prend du temps. Alors, prendre du temps pour un exercice qui vous paraît pertinent, c'est toujours agréable. Prendre du temps pour un exercice qui vous paraît moins pertinent, bah, vous le faites en traînant un peu plus la patte. Et puis, vous avez toujours deux options. La première, c'est on vous contacte en disant je vais faire un portrait. Alors, est-ce que vous dites au journaliste, bah, ça m'intéresse pas, merci bien, au risque de vous retrouver avec des commentaires assassins. Ou bien vous lui dites, bon, bah, très bien, parlons-nous. Et à ce moment, vous y passez 1 heure, 2 heures. Et vous vous dites, bon, j'y passe 1 heure, 2 heures parce qu'il faut, mais enfin... Vous rangez presque ça dans la catégorie de la déclaration d'impôt et ça vous excite un peu moins que des trucs un peu plus rigolos. La troisième chose, c'est que bien évidemment, on ne vous fait pas relire avant parution ce qu'on s'apprête à raconter sur vous. Donc si jamais il y a des choses qui vous semblent inexactes, erronées, etc., bah, la seule possibilité que vous avez, c'est de corriger après coup. Mais ça n'a jamais la portée en général de la publication initiale. C'est rare que vous soyez d'accord avec la totalité de ce qu'on raconte sur vous, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, du reste. Voilà, donc c'était juste pour dire que c'est pas du tout un exercice dont je suis friand. Je m'en passe très bien. Je considère que ça n'apporte pas grand-chose. Je préfère de très loin les interviews, alors auxquelles on peut aussi reprocher de stariser entre guillemets la personne concernée. Mais enfin, au moins, ça permet d'exprimer du fond et pas à quel âge j'ai eu ma première dent, quelle est ma taille de chaussure ou la dernière fois que je me suis gratté l'oreille. Donc, c'est quelque chose qui permet de discuter un peu plus du message et un peu moins du messager. Et pour finir là-dessus. Savoir ce que j'ai fait il y a 40 ans, je ne sais pas si c'est totalement, si c'est très utile pour savoir, pour rebondir par exemple sur une question à laquelle j'aurai le plaisir de répondre dans pas longtemps, est-ce qu'il faut mettre plus d'argent ou moins d'argent dans la replantation de haies en France? Voilà, je ne sais pas si c'est essentiel de savoir ce que j'ai fait il y a 40 ans. Voilà, donc c'était juste une petite incise pour commencer sur cet exercice. Et il ne s'agit pas de répondre aux arguments qui ont été évoqués, c'est pas le but du jeu. C'était juste de faire un commentaire général sur ce genre de choses. Alors voilà, maintenant, donc repassons aux questions. Et donc la première question, c'était, est-ce que le Chief Project va commenter
les programmes des candidats aux prochaines présidentielles? Alors la réponse est indirectement oui, même si c'est pas exactement ça qu'on va faire. Alors pourquoi est-ce que c'est indirectement oui? Parce que vous le savez probablement pour un certain nombre d'entre vous, le Chief Project s'est lancé dans un projet, pardon pour la répétition, qui consiste à proposer quelque part notre programme. Alors je ne vais pas dire idéal, mais nous semblons intéressants à discuter, voilà, si on veut rester dans le positif. Un programme environnementalo-socialo-économique nous semblant pertinent pour les prochaines présidentielles. C'est ça qu'on appelle le plan de transformation de l'économie française, et c'est ce sur quoi travaille en ce moment d'arrache-pied un certain nombre de gens, dont peut-être certains qui vont écouter ce qui suit. Alors, ce plan, au moment où on en fera la promotion, ce qui a déjà commencé, il s'inscrira nécessairement, je ne sais pas si je dois dire en contrepoint, mais enfin en comparaison des propositions qui sont déjà faites par un certain nombre de candidats ou qui seront faites par un certain nombre de candidats. Donc oui, on sera peut-être amené à commenter des programmes, mais pas à les commenter dans l'absolu. À les commenter, j'ai envie de dire, en différentiel par rapport à ce que propose le Chief Project. Et ça sera à ce moment nécessairement des commentaires entre guillemets techniques, entre guillemets sur le fond, et pas des commentaires qui seront machin, il a une tête qui me revient ou il a une tête qui me revient pas. Justement, on essaiera de pas tomber dans ce travers-là et essayer de se limiter aux commentaires sur le fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense de telle proposition exprimée de manière très précise. Par exemple, je vais prendre un exemple très pile dans l'actualité. Pas plus tard que ce matin ou hier matin, je ne sais plus, il y a eu une dépêche AEF qui citait, enfin qui mentionnait le fait que les Républicains venaient de publier leur programme environnemental pour les prochaines présidentielles. Donc j'ai regardé. Et je vais vous citer une des mesures, il y en a juste pour vous donner. Ils proposent d'allonger la durée légale de garantie sur les appareils numériques de 2 à 4 ans. Bon, ben voilà typiquement un truc. Personnellement, je pense que ça va dans la bonne direction. Donc je le dis, ça va dans la bonne direction, le chiffre le dira, ça va dans la bonne direction. Mais quand la France Insoumise avait déposé une proposition de loi il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale en proposant de porter la durée légale de garantie à 10 ans, eh ben je dis tout autant, ça va aussi dans la bonne direction. Voilà. Donc on n'aura pas d'appréciation partisane. On essaiera vraiment d'apprécier les mesures au fond. À chaque fois qu'on fera un commentaire sur une mesure environnementale, ça va être ça l'idée. Est-ce qu'on fera des commentaires sur d'autres mesures? La réponse est non. Ou plus exactement, dès lors qu'elles sortent du champ qui se rattache directement aux questions d'environnement, alors certes, les questions d'environnement sont larges, hein, puisque la physique est un peu partout, mais il y a un certain nombre de propositions qui relèvent totalement de considérations morales, religieuses, de valeurs sociétales, etc., sur lesquelles là, on ne s'exprimera pas. Je vais prendre un exemple délibérément emblématique. Si l'un des candidats propose je sais pas quoi, de mettre un menu halal dans les cantines, bah ça c'est un avis, on n'aura pas d'avis là-dessus, ni pour ni contre, ça sera hors champ des commentaires. Si quelqu'un, enfin voilà, donc je sais pas, où les propositions, en ce moment là, il y a un débat par exemple sur la majorité pour le consentement sexuel, ça c'est typiquement une proposition sur laquelle on sera hors champ du débat, c'est pas notre sujet et on s'invitera pas là-dessus. Voilà. Donc par contre, si un parti a une proposition sur la manière de réguler le commerce international, là, probablement qu'on s'autorisera éventuellement à avoir un avis dessus, parce qu'il peut y avoir un lien direct avec les questions environnementales. Voilà. Donc on essaiera d'avoir une grille de lecture si jamais on commente des propositions, qui sera la grille de lecture qui est la nôtre, c'est-à-dire celle des limites de la biosphère et des limites de la planète. Mais à l'intérieur de ces limites, on reste agnostique, j'ai envie de dire, parce que ça relèvera de critères de jugement qui ne sont pas de notre sort et sur lesquels j'estime qu'on n'a pas à intervenir. Enfin, en tout cas, pas en tant qu'entité Chief Project. Après, chacun est renvoyé à ses choix personnels. Voilà, donc c'est donc encore une fois, on va de temps en temps commenter. On ne va pas stricto sensu noter.
Pour si la question était, est-ce que vous allez nous donner pour chaque candidat une note de 1 à 20 de telle sorte que ça va nous ôter l'épine du pied de savoir pour qui on vote? La réponse est non, on ne fera pas ça. Ou en tout cas, à chaud, j'ai envie de vous dire que, petite personnelle, je suis pas très, ça m'excite pas plus que ça comme idée. D'abord parce que, encore une fois, le côté environnemental est en mettre en balance d'autres valeurs et d'autres sujets qui sont portés par les candidats. Ensuite, parce qu'il faut bien voir qu'une proposition, c'est à date et qu'il y a des gens qui sont susceptibles de changer d'avis. Voilà. Donc on vote toujours pour quelque chose d'hybride entre un individu et un programme. Et enfin, parce que ça nous demanderait un boulot qu'on n'a juste pas le temps de faire, qui consiste à commencer à mettre un barème, comme pour un examen, et ensuite corriger toutes les copies. Voilà, on sera suffisamment occupé avec ce qu'on fait de notre côté sur ce plan de transformation. Donc oui, on va nécessairement se positionner dans le débat, et puis on va faire la symétrique, c'est-à-dire qu'on va bien évidemment essayer de faire en sorte que les candidats se positionnent sur notre programme. Donc j'ai envie de dire que c'est surtout ça le but du jeu. C'est pas tant de noter ce qu'ils vont faire eux, c'est plutôt que eux essayent de repérer ce qu'on a proposé nous et idéalement de se positionner, enfin de s'en inspirer ou de se positionner par rapport à ça. C'est plutôt ça notre ambition et notre objectif. Et donc les critiquer gentiment et factuellement, ou les critiquer de manière constructive, on se l'autorisera. Si ça conduit à les crisper, probablement qu'on ne le fera pas. Parce que le but du jeu, ce n'est pas de les crisper, c'est vraiment de les faire progresser. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question de la notation ou pas des programmes. Alors, est-ce qu'il y a des politiques ou des décideurs qui partagent votre vision du monde, même si c'est qu'en off? Alors, j'imagine que la réponse à cette question est oui. Alors, dans votre vision du monde, je ne sais pas si je dois la prendre comme la vision du Shift ou la vision de Jean Covici. D'aucune mauvaise langue dirait c'est la même chose. Pas tout à fait. Parce que pour renvoyer à la première partie de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le portrait, le shift, c'est aujourd'hui pas loin de 30 permanents, c'est pas loin de 10 000 bénévoles. Je ne pense pas que toute cette diversité soit réductible à ma propre pensée, et heureusement, et c'est une très bonne chose. Donc ça me gênerait qu'il en soit ainsi. Et du reste, j'en profite pour dire une chose en passant qui me paraît essentielle. Quand des gens me manifestent leur soutien en réponse à des critiques, je les invite vraiment, mais alors vraiment, à rester tout le temps cordiaux, constructifs et factuels. Donc, ils me rendent un très mauvais service, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, s'ils commencent à devenir radicaux, excessifs, insultants, injuriants, etc. Même si de temps en temps je trouve ça désagréable, il m'arrive de. Ou plus exactement, je trouve désagréable de devoir me contenir, parce qu'on est tous pareils, de temps en temps on a un peu envie de répondre du tac au tac. J'essaye de m'astreindre à une discipline qui est de ne jamais répondre autrement que sur le fond quand je fais l'objet d'attaques qui mélangent le fond et la forme. Je suis un vendu, je suis je sais pas quoi. Je suis un vendu, donc je raconte des conneries sur les déchets. Non, non, si je raconte des conneries sur les déchets, je regarde ce qu'on me reproche très concrètement sur les déchets. Et si j'ai un truc factuel à répondre, je réponds et je ne réponds pas à la partie attaque personnelle. Eh ben, j'aimerais vraiment que les gens qui n'ont pas parlé en mon nom, parce que ça n'existe pas, mais qui répondent à des critiques dont je fais l'objet, essaye de s'astreindre à cette discipline, qui en plus est très utile pour chacun, parce que ça permet de progresser, qui est de se limiter à la discussion sur le fond, en faisant abstraction de la forme. Voilà, c'était pas la réponse à la question du tout, mais je profite de cette pensée qui me vient à l'esprit, pour vous partager ces réflexions. Donc, pour en venir à la question des politiques et des décideurs qui partagent notre vision du monde. Alors, vision du monde, ou la mienne en tout cas, il y a énormément de choses dedans. Donc si dans ma vision du monde, il y a le fait que je préfère la couleur bleue à la couleur orange, bah,
Oui, il y a peut-être des gens qui partagent et il y a des gens qui ne partagent pas, mais voilà, je ne vois pas ce qu'on en tire. Donc les éléments qui sont importants probablement dans cette discussion, c'est est-ce qu'il y a un nombre significatif de décideurs économiques ou de décideurs politiques qui acceptent par exemple l'idée qu'il faut disposer d'un plan dans un monde sans croissance? Eh bien, la réponse à ça, c'est oui. En tout cas, oui, dans les échanges bilatéraux. Après, il y a ce qu'ils disent en public. Il faut savoir que les personnages politiques ont un côté très déroutant, que j'ai mis du temps à comprendre, qui est que quand on discute avec eux hors caméra et hors oreille externe, on a l'impression d'avoir affaire à des gens normaux. Et puis, dès qu'il y a une caméra quelque part, ils switchent en mode on, et à ce moment, c'est plus les mêmes individus. Ils ont tous un côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui est très déroutant. Ou Mrs. Hyde, qui est très déroutant quand on n'est pas habitué. Et donc, ils peuvent dire l'exact inverse de ce qu'ils vous ont dit en privé, parce que c'est ça qui va les valoriser aux yeux des médias quand ils sont en face de vous. Ça, donc, voilà, il faut le savoir, c'est pas confortable, mais c'est comme ça. Donc, en off, et après, donc, toute la question est de savoir ce qui va primer entre ce qu'ils vous ont dit en off. Dans leur construction de leur discours, et ce qu'ils pensent qu'ils doivent dire quand ils sont en public pour plaire à leurs électeurs ou se faire mousser. Ce n'est pas nécessairement la même chose. Alors en off, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un nombre croissant de personnages politiques ces derniers temps avec qui il a été possible de nouer le contact ou qui ont été demandeurs de contact. Alors ça, je l'interprète non pas du tout. Comme le fait qu'il trouve que tout d'un coup je suis quelqu'un d'extraordinaire, je pense que, enfin je l'interprète comme le fait que la façon de voir les choses qui est portée par votre modeste serviteur et surtout les structures dans lesquelles je suis impliqué, commence à monter. C'est quelque chose qui commence à porter. Ça commence à avoir un peu d'audience. Et donc, du coup, les gens qui veulent être élus s'y intéressent parce que, à partir du moment où c'est susceptible de représenter la vision d'une frange de l'électorat, eh bien, il est de leur devoir presque de commencer à regarder ce qu'il y a derrière. Donc des politiques qui viennent vers moi ou des politiques avec lesquelles qui répondent positivement quand je leur propose de discuter, il y en a plus qu'avant. Dans le monde des décideurs économiques, cette idée qu'on va probablement devoir faire avec un univers sans croissance est aussi quelque chose qui commence à trouver un écho croissant. Pardon pour ce contre-pied. Et donc, c'est aussi ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont demain matin changer totalement la façon dont ils fonctionnent. On est tous prisonniers de nos habitudes, de nos rentes, de nos situations acquises, de notre confort, etc. Même les gens qui se revendiquent révolutionnaires, en fait, quand on regarde bien, même eux ont du mal de temps en temps à s'abstraire d'une partie des habitudes qu'il faudrait qu'ils abandonnent. Donc il faut toujours un peu se méfier de la poutre dans son propre œil, hein, avant d'aller voir la paille chez les autres. Mais en tout cas, il y a une facilité à discuter de ce genre de sujet qui va croissant. Dans le monde syndical, on commence également à avoir des discussions qu'on n'avait pas avant. Pas plus tard que ce matin, j'ai eu une discussion, alors je ne dirai pas avec qui parce que c'est prématuré, mais avec un dirigeant syndical. Et quand je lui ai dit, il n'est pas exclu qu'il faille organiser l'avenir avec une baisse du pouvoir d'achat, et la bonne question c'est de savoir comment est-ce qu'on ne désespère pas Billancourt dans ce monde-là, il m'a pas du tout volé dans les plumes. Il m'a dit au fond, il était probablement assez d'accord. Même si il était payé pour défendre ses adhérents, mais que intellectuellement, ce que je disais ne le choquait pas. Et donc, je pense qu'il y a une maturité chez un, en tout cas dans les échanges bilatéraux, il y a une maturité qui est en train de venir chez certaines personnes. C'est plutôt un signe d'espoir. Après, la question, c'est de savoir ce qu'ils arrivent à en faire dans un discours public. Je le redis, et des fois, on a des mauvaises surprises. C'est un des côtés très déroutants de tous les gens qui sont en représentation. Pour une partie de leur activité professionnelle.
Donc, sur cet élément-là, qui est que le monde est contraint et fini, qui est probablement l'élément le plus structurant, j'ai envie de dire, de ma pensée, parce que c'est après, derrière ça, en gros, les deux éléments structurants de ma pensée, c'est que le monde est fini et qu'on est dans une course contre la montre. Donc, une fois que j'ai dit ces deux choses-là, après, une bonne partie de ce qu'on doit faire en face de ça, c'est des arbitrages qui s'inscrivent dans ce cadre-là. Si on essaye de descendre un cran en dessous, il y a d'autres éléments sur lesquels maintenant il commence à y avoir des positions assez consensuelles dans les politiques. Par exemple, le fait qu'il faut s'occuper sérieusement du patrimoine bâti, ça c'est quelque chose qui commence à devenir assez consensuel. Par contre, le fait qu'il faille dégonfler les métropoles, il y a des gens dans le monde politique qui comprennent mais n'y souscrivent pas. Il y a des gens qui comprennent même pas, qui disent que c'est complètement idiot. Puis il y a des gens qui disent que oui, effectivement, c'est probablement ça qu'il faut faire. Le même leader syndical avec lequel je discutais ce matin m'a dit exactement ça. Il m'a dit qu'il était d'accord avec ce point de vue, qu'il fallait maintenant dégonfler les métropoles. Alors, reste à savoir comment on le fait. Mais voilà. Donc, pour résumer cette réponse, si la question est à comprendre sous l'angle est-ce qu'il y a un nombre croissant de dirigeants économiques, politiques et syndicaux avec qui on peut avoir des débats un peu organisés sur ces questions-là, la réponse est oui. Ils sont en nombre croissant. Alors après, il y a une question à laquelle j'ai déjà répondu. Est-ce que le rapport sur la décarbonation de l'économie française sera soumis au candidat de la présidentielle? La réponse est oui, absolument. Alors on ne va pas soumettre qu'aux candidats. En fait, les candidats, ça les intéressera, cette affaire-là, si c'est soumis à leurs électeurs avant. Quelque chose que j'ai souvent l'habitude de dire, c'est qu'on intéresse un politique à partir du moment où on arrive avec un triptyque qui est un problème, une solution et une sanction pour le politique si il ne met pas en œuvre la solution. En fait, il faut les trois. Donc, si vous arrivez juste avec un problème, ça n'intéresse personne, parce que personne n'est intéressé avec des problèmes sans solution. Non plus, quelque part, pas tellement. Si on arrive avec un problème et une solution, c'est déjà mieux. Mais un politique, pour lui, la vraie, j'ai envie de dire, l'élément qui vraiment importe, c'est est-ce qu'il va être élu ou pas? Et donc, c'est quelle est la sanction à mettre en œuvre la solution et quelle est la sanction à ne pas la mettre en œuvre. Dans les deux cas de figure, en gros, qu'est-ce qui va lui rapporter le plus de voix? Et donc, s'il pense que de ne pas faire ce qu'on lui propose de faire va lui faire perdre des voix, parce qu'on dira ailleurs, tiens, c'est intelligent, et une fraction significative de ses électeurs dira, ah oui, effectivement, je suis d'accord, à ce moment-là, non seulement il écoutera, mais il sera un peu motivé pour faire. Donc, et pour ça, il faut avoir parlé aux électeurs avant d'avoir parlé aux candidats. C'est la raison pour laquelle on a mis en œuvre depuis longtemps au Shift Project un dialogue avec les corps intermédiaires. Pourquoi avec les corps intermédiaires? Alors, ce n'est pas parce qu'on aime parler qu'aux privilégiés. Qu'est-ce qu'on met dans les corps intermédiaires? Hein, c'est les dirigeants économiques, les dirigeants syndicaux, le monde académique, on va dire, et la haute fonction publique. Alors, ce n'est pas parce qu'on aime parler qu'aux privilégiés qu'on fait ça. C'est parce que quand on a des moyens limités, ce qui est le cadre du Shift Project, c'est là qu'on a l'effet de levier maximum. Parce que les corps intermédiaires, c'est à la fois des gens qui parlent à leurs collaborateurs, et ça fait beaucoup de monde. Quand vous êtes dirigeant d'entreprise, ben, vos collaborateurs, ça fait un paquet de monde. Et c'est des gens qui parlent à l'étage au-dessus, ou qui ont un moyen de pression à l'étage au-dessus, c'est-à-dire vers les politiques, parce qu'ils sont susceptibles, alors peut-être pas de les faire chanter, mais enfin, de leur raconter des choses en disant, bah écoutez, si vous faites pas tel truc qui paraît intelligent, enfin, ou moi qui m'arrange, plus exactement, eh bien, je serais pas content et je le fais savoir. Donc c'est ça notre cible historique au Shift Project, et c'est bien à cette cible-là qu'on destine en priorité le plan de transformation. Cette cible-là, on espère qu'ils vont eux-mêmes relayer les propositions, encore une fois, vers les gens qui sont dans leurs propres écosystèmes. Donc si par exemple il y a des dirigeants d'entreprise qui pensent que nos propositions sont intelligentes, ou en tout cas méritent examen, eh bien immédiatement ça se répercute à un nombre beaucoup plus important de personnes. Voilà. C'est vrai également avec la presse, c'est vrai. Voilà. Donc c'est ça le premier étage de l'édifice. Et c'est si on passe cette rampe-là, que à ce moment, les candidats nous écoutent, ou plus exactement que leurs écuries de campagne nous écoutent, parce que les candidats eux-mêmes, ils ont des gens à qui ils font confiance pour faire des propositions. Ils rédigent pas tout eux-mêmes, de A jusqu'à Z. Voilà. Alors, il y a une question sur quel parti politique vous semble plus conscient de l'inéluctabilité.
Luctabilité, je vais y arriver, des catastrophes à venir et des actions à mettre en œuvre. Non, Joker, je n'en ai pas d'idée. Je ne sais pas. ou plus exactement, si je regarde dans les partis qui sont susceptibles de gagner des élections, parce que c'est finalement ceux-là qui sont vraiment importants à court terme, je ne sais pas répondre à cette question, parce que ça dépend de quelle catastrophe on parle, et ça dépend de ce qu'on appelle être conscient du caractère inéluctable, et ça, enfin, pff, je ne sais pas. Très, très honnêtement. Je ne suis pas complètement sûr que pour le combat du Shift Project, ce soit très important. Je pense qu'encore une fois, comme on est agnostique sur le plan politique, bah nous on parle à tout le monde, et puis ou en tout cas on essaye d'infuser les électeurs de tout camp. C'est ça qui nous paraît important, et du coup notre action ne nécessite pas d'avoir la réponse à cette question. Que très honnêtement, je n'ai pas. Alors après, une question sur le rayonnement international. Est-ce que le Shift Project ou Carbon 4 ont des contacts avec des organismes ou des entreprises en Belgique, au Canada ou dans le reste de la francophonie? Alors la réponse est oui. Alors pas Carbon 4. Carbon 4, je rappelle que c'est une entreprise commerciale et qu'une entreprise commerciale, elle a rarement pour objet comment dire, de militer pour une organisation particulière de la société en dehors de son champ de compétences directes. Donc on reconnaît aux entreprises, c'est ça qu'on appelle le lobbying, je sais pas si je dois dire le droit, mais enfin, si, d'une certaine manière, le droit au sens légal du terme, d'exprimer des points de vue dans le domaine qui les concerne directement. Donc Carbon 4 s'exprime dans le champ de ça serait bien que les méthodes soient faites comme ceci plutôt que comme cela, dans le champ de ça serait bien que les gens soient formés comme ceci plutôt que comme cela, ou qu'ils soient formés pour... voilà. Carbon 4 s'exprime dans le champ de on vous propose de l'information. Carbon 4 s'exprime dans le champ, en gros, de ce qui concerne directement son activité. Et c'est une expression qui est largement liée au propre destin de Carbon 4. Carbon, voilà, c'est ce qui est le cas de toutes les entreprises. Bouygues s'exprime assez peu souvent sur la pêche à la baleine. Je ne sais pas, Orange s'exprime assez peu, en règle générale, sur l'agriculture de conservation des sols. Voilà, alors que par contre, Invivo pourra le faire. Voilà. Donc les entreprises, en général, s'expriment sur ce qui est dans leur champ d'activité directe. C'est ça, en général, qu'elles font. Du coup, il n'y a pas chez Carbon 4 un prosélytisme organisé à l'échelle planétaire pour aller toucher des contacts à l'extérieur de la France, pardon, sauf si c'est quelque chose qui est un préalable à son activité, comme pour n'importe quelle entreprise. Voilà, donc, et c'est bien parce que le rôle de Carbon 4 n'est pas celui d'une association qu'il existe Carbon 4 et qu'il existe The Shift Project, qui est tout à fait différent. Et du reste, les deux autres associés de Carbon 4 ont tous les deux des casquettes dans le monde associatif. Pour être capable d'exercer cette partie conviction de nos concitoyens dans un cadre qui est bien un cadre associatif et pas un cadre d'entreprise. Donc Alain Grandjean, il est président de la FNH, ex-fondation Nicolas Hulot, et Laurent Morel, qui est le troisième associé de Carbone 4, il est trésorier du Shift Project et président de l'IFPEB, qui est une association qui s'occupe de performance énergétique dans le bâtiment. Donc on a tous nos casquettes associatives en dehors de Carbone 4, et c'est essentiellement à ce titre qu'on fait du prosélytisme. Alors, pour répondre maintenant à la question en ce qui concerne le Shift Project, pardon, juste pour finir sur Carbon 4, il y a au sein de Carbon 4 un certain nombre de collaborateurs qui ont aussi des activités de militants. Et l'essentiel du temps, ces activités de militants s'exercent dans le cadre de structures qui sont hors Carbon 4. Donc des associations, éventuellement, il y en a un qui a un mandat d'élu, qui est élu au Conseil de Paris. Voilà, c'est en dehors de Carbon 4 que ça se passe. Et c'est normal, même si Carbon 4 est une société engagée, c'est normal.
En ce qui concerne, et donc c'est pour finir de répondre à ça, les entreprises qui vous disent moi je porte Atlas sur mes épaules et j'ai la charge de sauver le monde, vous racontent des carabistouilles, c'est pas vrai, Carbon 4 n'a pas à sa charge de sauver le monde, et c'est bien pour ça que si on est intéressé, entre guillemets, à sauver le monde, on va s'investir dans des associations ou dans des organismes dont ça se rapproche du mandat explicite. Alors, le She Project, qui a vocation, alors peut-être pas à sauver le monde, mais en tout cas à proposer des mesures qui permettent de durer, si c'est ça dont on a envie, eh bien, parce qu'on peut ne pas en avoir envie, eh bien, lui, effectivement, il est, comme toute association militante, intéressé à nouer des contacts dans la sphère la plus large possible. Alors, à l'étranger, ça ne passe pas directement par le She Project, pardon. Ça passe par une association cousine qui s'appelle les Shifters et qu'un certain nombre de gens qui écoutent connaissent très vraisemblablement, puisque j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui écoutent en ce moment. Alors, c'est quoi l'articulation entre les deux? Le She Project est une association d'entreprises. Donc, les membres du She Project ne peuvent être que des entreprises. C'est du reste quelque chose qu'on peut nous reprocher, parce que du coup, on peut nous dire qu'on est inféodé au grand capital. C'est pas faux. Ou plus exactement, c'est délibéré, parce que le She Project a essayé d'occuper la niche écosystémique qui est non pas je rouspète de l'extérieur, mais j'essaye de faire de l'entrisme à l'intérieur. Voilà. Les deux sont utiles. Donc je pense que quand Oxfam sort un rapport qui allume les banques ou qui allume le CAC 40, c'est très utile. Mais du coup, c'est des interlocuteurs avec lesquels les entreprises n'ont pas envie de travailler, et c'est normal, parce que c'est rare que vous ayez envie de travailler avec des gens qui vous mettent des baffes. Et c'est pas inutile d'avoir à côté de ça des gens qui sont à l'intérieur et qui peuvent prendre le relais ou qui peuvent s'articuler ou qui peuvent de temps en temps anticiper les baffes qui vont venir de l'extérieur et qui aident les entreprises à progresser en faisant des choses qui sont plus appliquées, j'ai envie de dire, parce que c'est plus lié à des éléments techniques internes au métier. Donc c'est ça ce qu'on essaye de faire au Shift, hein, c'est non pas d'occuper la place de vous êtes une bande d'incapables et vous n'avancez pas assez vite, ce qui n'est pas faux, ou ce qui a quelque chose de vrai, mais la niche qui est, bon maintenant admettons que vous ayez bien entendu le message, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avancer? Alors, c'est une niche qui est parfois plus ingrate, parce que on monte les marches d'escalier une par une, hein, on ne fait pas le grand soir dans ce genre de contexte. C'est plus continu. C'est quelque chose qui, par construction, emporte moins la révolution. Voilà, c'est un autre genre de beauté. À titre personnel, je pense que c'est utile que ça existe. Je ne revendique absolument pas le fait que ça soit ça l'essentiel de l'action pertinente à faire. Encore une fois, je pense que l'aiguillon venant de l'extérieur est très utile, sinon indispensable. Mais je pense que ça se complète et qu'on a notre place dans l'écosystème et que c'est utile qu'on fasse ce genre de choses. Donc, une fois que le maître d'école vous a distribué des baffes en disant que vous êtes nul, c'est pas lui qui va le mieux occuper la position de celui qui prend l'enfant par la main en lui disant bah écoute je vais t'aider je vais t'aider à faire mieux si tu as envie de faire mieux. Donc nous c'est ça qu'on essaye de faire au Shift et ça suppose pour prendre le parallèle de prendre l'enfant par la main d'avoir un dialogue avec les entreprises et donc ça suppose de les faire venir. Et il y a un truc qui est assez vrai dans le monde de l'entreprise, c'est qu'une bonne manière de les faire venir, c'est de les faire payer, parce qu'une fois que vous avez payé quelque chose, ben vous le respectez un tout petit peu. Voilà, donc c'est pas inutile de procéder de cette manière. Mais pour finir ce couplet, donc le Shift est une association d'entreprises. À côté de ça, il y a historiquement plein de gens qui ont dit bah, nous, on aimerait bien faire quelque chose pour la cause. Et donc, c'est créé à côté une association qui s'appelle les Shifters. Alors, le Shift et les Shifters marchent la main dans la main. Les Shifters ont des représentants au conseil d'administration du Shift Project. Le Shift Project a des représentants, dont ma pomme, au conseil d'administration des Shifters. Donc, on marche ensemble. Les Shifters n'ont pas d'expression autonome. Donc, ils n'ont pas de communication autonome, sauf cas particulier. Mais sinon, ils n'en ont pas. Donc, c'est vraiment des individus qui sont en appui au Shift Project et qui sont coordonnés avec le Shift Project. Ça vit pas sa vie totalement de son côté. Par contre, cette association a la particularité, comme c'est une association de personnes, de pouvoir rallier du monde très rapidement dans plein de pays dans le monde.
Et donc, on a des antennes via cette association en Belgique, en Suisse, au Canada, donc dans toute la sphère francophone. On en a également à Londres, on en a également dans un certain nombre d'autres villes, en Russie, en Pologne. Enfin voilà, on n'en a pas nécessairement beaucoup à chaque fois, mais il y en a. Alors, c'est des gens qui sont évidemment très utiles parce qu'ils nous font des remontées de ce qui se passe de leur côté. Ça permet de savoir si on est capable, nous, le Shift, d'amener de la valeur ajoutée dans d'autres pays parce qu'on a pris un peu d'avance dans la façon de voir les choses et ça peut être utile aux gens du pays concerné. Ce n'est pas du tout une visée colonialiste, hein, c'est juste que de temps en temps, il n'est pas interdit d'aller piocher ailleurs une bonne idée. On fait suffisamment souvent avec les mauvaises, on peut le faire aussi de temps en temps avec les bonnes. Donc on a des antennes dans une partie de la francophonie. On n'en a pas encore beaucoup, voire pas du tout en Afrique, mais on y réfléchit. Je parle bien de la francophonie, hein. C'est des gens avec qui on a des interactions. Donc il n'y a pas très longtemps, j'étais en visio avec les Shifters de Montréal et pas plus tard que demain, je vais aller voir les Shifters belges. Je vais franchir la frontière. Faire un truc qui est une audace folle, qui est de reprendre le train pour franchir une frontière. Et donc ces gens-là, encore une fois, c'est des gens sur lesquels on peut s'appuyer pour étendre notre action. Alors Bruxelles, évidemment, ça a un rôle particulier parce que c'est à la fois la Belgique en tant que pays, et puis c'est le siège de la Commission qui a quand même un tout petit rôle dans le fonctionnement de l'attelage européen. Donc bien évidemment, les shifters belges, on compte s'appuyer sur eux pour augmenter notre capacité de lobbying, car je répète encore une fois que toute personne qui cherche à peser sur le débat public est un lobbyiste. Donc pour renforcer notre capacité auprès des instances européennes qui sont situées à Bruxelles, et en particulier la Commission et le Parlement. Voilà, donc c'est la manière dont on s'exporte aujourd'hui, c'est essentiellement via les shifters. Pour finir et revenir sur Carbone 4, l'exportation via Carbone 4, c'est la norme. Donc en gros, quand Carbone 4 produit de la norme ou des propositions de normes et que ça rencontre de l'écho hors des frontières, bah, c'est la manière dont on s'exporte. Alors on l'a fait plusieurs fois, hein. On l'a fait, enfin votre serviteur l'a fait avec le bilan carbone, puisque le bilan carbone est devenu, a servi de base à la nomenclature de la norme ISO qui fait aujourd'hui, qui porte sur l'empreinte carbone d'une organisation. Et on est en train d'essayer de réitérer ça dans d'autres domaines. Là, dans pas longtemps, on va sortir une méthode sur la manière d'évaluer les risques physiques du changement climatique pour une entreprise, avec aussi une approche par scope, par processus, etc., exactement comme pour le bilan carbone, et dont on espère bien que ça va éveiller l'attention en dehors des frontières. Voilà, donc l'exportation de carbone 4, avant même d'être par les produits, elle est par la production de normes. Ah ben voilà, on parlait de Carbone 4. Comment faites-vous pour avoir des clients avec Carbone 4 avec le discours que vous tenez publiquement? Eh bien, ça répond pour partie à la question qui a été posée tout à l'heure, qui est est-ce qu'il y a des gens avec qui il est possible de discuter dans le monde des décideurs économiques des sujets de fond? Bah, la réponse est oui. Vous avez de temps en temps. Alors, il faut bien voir. Hein, Carbone 4, puisque les chiffres sont à peu près publics, puisqu'ils sont dans l'article de reporter, Carbone 4 tout mouillé aujourd'hui, c'est à peu près une centaine de personnes. Carbone 4, c'est à la fois une activité de conseil, c'est une activité de fourniture de données dans le monde financier, c'est une activité de formation, et c'est une activité d'empreinte carbone personnelle au travers de MyCO2. Donc tout ça, tout mouillé, ça fait 100 personnes. Alors vous me direz, 100 personnes, ça commence à faire beaucoup. Oui, ok. Pour Sébastien Boller, qui prétend que, enfin, qui prétend, qui dit, j'ai pas dit du tout de manière désagréable, que la cervelle humaine est configurée pour reconnaître 150 visages. Oui, c'est clair, ça commence à faire beaucoup. Maintenant, rien que pour compter les euros, et rien qu'en France, et rien qu'une boîte comme Deloitte, c'est 10 000 personnes. Donc, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Ça dépend ce qu'on a comme idée en face. Moi, je considère qu'à l'échelle de l'économie française, c'est très très peu. Donc, à l'échelle de l'économie française, en fait, un discours, quel qu'il soit, trouve preneur. Je connais des gens qui vendaient du conseil en expliquant que les modèles climatiques racontaient n'importe quoi. Je connais des gens qui vendent du conseil, ou plus exactement des conseils aux particuliers, en expliquant qu'ils vont lire leur avenir dans le marc de café. Donc,
Enfin, je veux dire, donc je dis pas que Carbon 4 lit son avenir dans le marc de café, et nous, le marc de café, on met la poubelle de recyclage. Mais c'est juste pour dire que, en fait, la radicalité du discours n'est un obstacle qu'en apparence, parce que quel que soit le discours, sur la masse, vous trouverez toujours quelques personnes qui y adhèrent. Donc le fait que le discours semble radical, en fait, paradoxalement, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui vous empêche d'avoir des clients. La bonne question, c'est est-ce que la radicalité du discours cantonne à une toute petite frange de clientèle? En fait, c'est ça la bonne question. Eh bien, mon sentiment, c'est que de moins en moins, parce qu'on a quand même dans ce pays un certain nombre de gens qui savent compter, on a quand même dans ce pays un certain nombre de gens, pas tous évidemment, pas assez, mais quand même, un certain nombre de gens qui réalisent qu'il y a des évolutions en cours, il y a quand même un certain nombre de gens qui sont à même de comprendre et de réfuter, donc de se faire leur propre avis sur ce qu'on peut raconter. Et ces gens-là, bah, ils sont après libres d'avoir envie de travailler avec Carbon 4. Par ailleurs, il faut bien voir que Carbon 4 ne vend pas le discours de Jean-Marc Jancovici. Carbon 4 vend des méthodes, vend des analyses, etc. Et donc, il n'est pas du tout exclu qu'il y ait au sein de Carbon 4, encore une fois, 100 personnes, ce n'est pas du tout moi qui fais, et loin s'en faut, l'essentiel des contacts commerciaux et l'essentiel des missions. Il n'est pas du tout exclu, et je suis même sûr qu'il y en a, au sein de Carbon 4, des gens qui disent je travaille avec vous, enfin qui disent à mes collaborateurs, je travaille avec vous parce que ce que vous allez me faire dans le cadre de ce que je vais vous demander va être de bonne qualité, mais ce que vous raconte votre patron, par ailleurs, je ne suis pas sûr d'y souscrire. Je suis parfaitement possible qu'il y ait ça. Je n'ai pas posé la question, mais c'est tout à fait possible. Donc, Carbon 4 ne vend pas un discours. Hein. Je répète, Carbon 4 vend des analyses, des méthodes, des réponses à des questions. Combien de frigos est-ce qu'on peut continuer à vendre en 2050 dans un monde à 2 degrés? Voilà. Bon, bah, est-ce que pour répondre à cette question, vous avez besoin de souscrire à ce que raconte Jancovici sur l'agriculture bio ou sur le vélo? La réponse est non. Vous n'avez pas besoin d'y souscrire, c'est totalement à côté, on s'en fout. Donc, ce que je dis ne pèse pas nécessairement très lourd face à la capacité à répondre à la question posée que je viens d'évoquer. Ce qui me paraît être un meilleur juge de paix, plus que Carbone 4, si je peux me permettre une réflexion incidente, c'est l'audience dans les réseaux professionnels. Alors, il y a un thermomètre que je trouve intéressant à regarder, c'est LinkedIn. LinkedIn rassemble probablement des gens qui, en termes de catégorie socio-professionnelle, me ressemblent, c'est-à-dire plutôt des cadres, pour l'essentiel. La nature des commentaires, la nature des engagements, est pour moi un test de est-ce que l'argumentaire semble recevable ou pas. Voilà, et là, j'ai envie de penser, si j'en juge par les nombres, que la tendance est plutôt à un nombre croissant de gens qui pensent qu'il y a un sujet, plutôt qu'à un nombre décroissant. Alors encore une fois, après, quelqu'un qui éveille votre curiosité sur un sujet, vous n'êtes pas nécessairement, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être d'accord avec lui sur tout. Pour travailler avec lui. Vous pouvez juste penser que vous en aurez pour votre argent, point. C'est-à-dire que la réponse à la question vous amènera une valeur ajoutée qui est au moins égale à la facture payée. C'est pas dans le monde économique, il y a un certain nombre de gens qui sont assez triviaux, comme certains qui regardent le savent peut-être. Voilà, et après, est-ce qu'il y a des questions? Bon, après, on va passer à des questions qui sont différentes. Je suis désolé, hein, je parcours la liste des questions et puis je regarde celles qui ont reçu le plus de suffrages. Donc, on va passer à quelque chose qui n'a rien à voir. La question est libellée de la manière suivante. JMJ peut-il expliciter son point de vue sur l'agriculture biologique et les éléments qui l'ont conduit à adopter ce point de vue? Alors, qu'est-ce que j'ai comme point de vue sur l'agriculture biologique? Bah, avant de parler de l'agriculture biologique, je vais parler de mon point de vue sur l'agriculture tout court. L'agriculture tout court, aujourd'hui, est une des quatre ou cinq activités qui ont besoin des sols pour fournir quelque chose qui est
un tout petit peu nécessaire pour le métabolisme humain, qui s'appelle de la nourriture. Cette agriculture est en concurrence avec quelques autres usages. Alors les autres usages sont la biodiversité, c'est-à-dire qu'on ne touche pas au sol et on laisse, entre guillemets, la nature s'en emparer avec toutes les petites bêtes et les plantes qui vont avec. Il y a un usage qui est un usage énergétique. Je me sers des surfaces pour faire pousser du bois ou des cultures énergétiques dont je vais avoir besoin pour alimenter mes machines. Il y a un usage qui est celui des infrastructures. Donc je me sers du sol pour y mettre des routes ou des parkings de supermarchés. Et puis, il y a un dernier usage qui est celui du matériau. Donc je me sers du sol pour faire pousser du chanvre, du lin, enfin le chanvre, pas pour le fumer, du lin ou du bois, mais comme matériau cette fois-ci, pas comme énergie. Donc le sol, il est en quantité limitée. Le début de l'entonnoir, c'est que l'agriculture est une des manières d'occuper ce sol. À chaque fois que, à production de nourriture identique, on est capable de mieux préserver notamment la biodiversité, eh bien, j'ai envie de me dire que, on a plutôt deux usages en un, plutôt qu'un seul usage. Donc tout ce qui permet d'aller dans le sens d'une agriculture qui maltraite moins la biodiversité est quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, il faut bien voir que l'agriculture est par essence même une suppression de la biodiversité. C'est-à-dire que dans un champ de blé, ce qui vous intéresse, c'est qu'il pousse du blé. Il ne vous intéresse pas qu'il pousse du trèfle, ni qu'il pousse des acacias, ni qu'il pousse des prix verts, ni des coquelicots, ni des artichauts même. Ce qui vous intéresse dans un champ de blé, c'est qu'il pousse du blé. Donc l'agriculture, historiquement, il faut bien voir que c'est par construction même une opération de suppression de la biodiversité. Donc dire qu'on va faire de l'agriculture qui préserve la biodiversité, c'est déjà quelque part un peu un oxymore. Il y a quelque chose qui est déjà un peu intrinsèquement contradictoire en son sein. Mais quand même, alors, c'est quoi une agriculture qui préserve un peu mieux la biodiversité? Bah, c'est une agriculture où on remet des prédateurs naturels pour s'occuper des petites bêtes qui nous enquiquinent. C'est éventuellement une agriculture dans laquelle on mélange les espèces. Donc en fait, on a de la biodiversité agricole, on a de la biodiversité en termes de cultivars, c'est-à-dire de plantes, etc. Bon, bref. Donc il y a un certain nombre d'éléments là-dedans qui me semblent intéressants. Éventuellement, je pourrais détailler un peu, mais qui me semble intéressant. Après, il y a un deuxième élément, c'est que l'agriculture aujourd'hui, le fait de l'avoir très fortement spécialisée, conduit à des chaînes logistiques aval et amont qui sont extrêmement longues. Un monde dans lequel vous faites tout le maïs dans le sud-ouest, pour ensuite l'envoyer en totalité dans des usines d'aliments pour animaux qui se trouvent en Bretagne, pour ensuite alimenter tous les cochons qui se trouvent en Bretagne, pour ensuite envoyer tous les jambons se faire saler je sais pas où, eh bien ça c'est une agriculture, exactement c'est une chaîne alimentaire ou agroalimentaire qui n'est pas résiliente parce que ça demande du transport à tous les étages et donc ça demande du pétrole et donc c'est quelque chose qui n'est pas résilient et qui par ailleurs contribue indirectement aux émissions, mais surtout c'est pas résilient. Donc, or dans l'agriculture bio, il y a un effort, il y a une intention déclarée, on va dire, d'essayer de raccourcir les chaînes logistiques. Alors, le bio n'est qu'un label parmi d'autres. C'est peut-être pas le meilleur label qui soit, je ne sais pas. Aujourd'hui, des labels, on commence à en voir plusieurs. Par exemple, l'agriculture de conservation des sols pour remettre du carbone dans le sol est aussi quelque chose qui a sa pertinence. Est-ce que c'est bien, moins bien que le bio à côté, en plus bon, ouais. Donc le bio, c'est un label qui a des avantages, qui a aussi quelques inconvénients parfois. Et en particulier, il en a un, c'est que dans les grandes cultures, donc le blé, le maïs, etc., il conduit à diviser les rendements quasiment d'un facteur 2. Ce qui veut dire que si on veut manger bio, à type de régime alimentaire inchangé, c'est-à-dire en mangeant les mêmes quantités de la même chose, eh bien, vous avez besoin, en passant en bio pour tout ce qui vient des grandes cultures, et notamment les animaux, parce que l'essentiel des grandes cultures, tout le maïs sert à nourrir des animaux, la moitié du blé, enfin, alors les pâturages, c'est pas des grandes cultures, mais enfin, c'est des grandes surfaces. Alors là, le bio, en l'occurrence, diminue pas tellement les rendements, hein, mais je pensais surtout aux céréales. Eh bien, ça veut dire que vous allez avoir besoin de plus de surface. Donc, en gros, si vous passez en bio à type d'alimentation inchangé sur tout ce qui dépend des céréales,
eh bien, vous vous retrouvez paradoxalement avec alors un gain sur la partie pas de phytosanitaire, etc., mais une perte sur la partie occupation d'espace, puisque vous allez avoir besoin de plus d'espace au détriment peut-être de la biodiversité, au détriment, à l'évidence, des cultures énergétiques ou des espaces occupés pour avoir du matériau. Donc il y a un arbitrage à faire entre la nuisance, j'ai envie de dire, engrais phytosanitaire, et la nuisance occupation d'espace pour les grandes cultures. Je pense que c'est beaucoup moins vrai. Alors, pour les quelques discussions que j'ai eues avec mon maraîcher bio, je pense que c'est moins vrai en ce qui concerne les cultures maraîchères. Donc cet inconvénient de l'occupation d'espace est beaucoup moins fort. Mais par contre, sur les grandes cultures, c'est un vrai sujet. Ce qui veut dire que si on va jusqu'au bout de la logique et qu'on dit que sur les grandes cultures, on va en bio, donc on accepte des méthodes plus douces et on perd du rendement, à ce moment, la contrepartie évidente, c'est qu'il faut accepter de manger moins de viande et de la payer plus cher. C'est totalement évident. Donc il y a un et significativement plus cher. Donc pour finir de répondre à cette question hein, sur qu'est-ce que je pense de l'agriculture bio, en fait je pense, hein, encore une fois pour synthétiser, si tant est que j'arrive à le faire, l'agriculture n'est qu'une partie de l'ensemble de l'occupation des sols. Il n'y a pas de système parfait. À 8 milliards d'individus sur Terre, il n'y a plus de système parfait. Donc il n'y a que des arbitrages. À titre personnel, mais là je pense qu'on rentre dans un élément de préférence personnelle à nouveau, hein, parce que encore une fois, durer versus profiter, ben, c'est un élément de préférence personnelle. Il n'y a pas de vérité divine. Est-ce qu'on a raison de cramer la chandelle par les quatre bouts pour que la fête soit plus intense tant qu'elle dure? C'est un élément d'arbitrage personnel. Il y a des gens qui pensent que non, et il y a des gens qui pensent que oui, et il n'y a pas de vérité scientifique là-dedans, il n'y a que des règles morales. Donc, est-ce que l'agriculture bio, au nom d'une vérité scientifique, doit s'imposer? Non. Est-ce qu'elle doit s'imposer, ou exactement, est-ce que ce genre de pratique a du sens si on veut donner plus de poids à quelque chose de plus doux, plus durable et, j'ai envie de dire, plus résilient? Là, la réponse est plutôt oui. Est-ce qu'il y a des contreparties importantes? La réponse est oui. Donc je viens de parler de la quantité de viande dont on peut disposer. Et bien évidemment, ça veut dire aussi que, il va falloir remplacer une partie des auxiliaires chimiques par des auxiliaires manuels. Donc c'est très cohérent avec le fait de remettre du monde dans l'agriculture. Il faut avoir envie d'aller ramasser des mauvaises herbes. Voilà, quand on le fait, on trouve que ça fait un peu mal au dos. Ça va nécessairement avec une hausse du prix des produits agricoles. Alors, est-ce que c'est nécessairement un drame? Non. Je rappelle quand même quelque chose qui, moi, m'a beaucoup frappé quand j'ai vu le résultat. En 1800, les deux tiers de la population active en France travaillaient dans l'agriculture. Si on admet, ce qui est une approximation grossière, mais si on admet que les gens gagnaient à ce moment-là la même chose ou qu'ils travaillent, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans les services, c'est-à-dire comme employés de maison ou comme vendeurs, dans l'industrie, c'est-à-dire à l'époque essentiellement comme artisans, ou dans les champs, ils gagnaient à peu près la même chose, je dis bien à peu près, peut-être un peu moins, un peu plus, mais ça revient à dire que la nourriture à cette époque-là coûtait entre la moitié et le deux tiers de leur budget au ménage. Donc se nourrir en 1800 coûtait au ménage entre la moitié et les deux tiers de ce qu'ils gagnaient. L'essentiel des gens habitait par ailleurs à la campagne. Donc se loger, ben, ils logeaient dans leur propre ferme. Il n'y avait pas vraiment de distinguo entre le bâtiment d'exploitation et le bâtiment d'habitation. Aujourd'hui, la nourriture coûte 2% de ce qu'on gagne. Alors vous allez me dire, non, non, mon ticket de caisse, c'est beaucoup plus que ça quand je vais au supermarché et de temps en temps, je vais au restaurant. Alors oui, c'est absolument certain que ça vous coûte plus que ça. Mais sauf que dans un ticket de caisse au supermarché, vous n'avez pas que de la nourriture. Vous avez le salaire du magasinier, de la caissière, ou du caissier et de la magasinière, peu importe. Vous avez la campagne de pub du magasin, vous avez la construction du magasin, vous avez le salaire du transporteur routier qui a amené les denrées jusqu'au magasin, vous avez le salaire des gens d'Arkema qui ont fabriqué les emballages en plastique qui vont emballer la nourriture, vous avez la facture d'électricité du magasin, enfin bref, vous avez, et les dividendes des actionnaires. Donc vous avez tout. Sauf de la nourriture pour 80% de ce que vous allez payer. Et quand vous allez au restaurant, c'est pire encore. Enfin, c'est pire encore. La nourriture représente une partie beaucoup plus faible encore. Donc, en fait, le prix de la nourriture a été considérablement diminué sur les deux derniers siècles, et même depuis le début du XXe siècle, ça a encore été très, très fortement
enfin ça a très fortement baissé. Et donc, le sens de l'histoire, hein, me semble-t-il, c'est que le prix de la nourriture réaugmente à l'avenir. Donc, en gros, dans notre budget, il faudra qu'on fasse une part plus importante au prix de la nourriture, et donc il y aura une part moins importante pour s'acheter des chaussures, des smartphones, des meubles et partir en vacances. C'est probablement ça, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, le sens de l'histoire. Donc, dans ce schéma-là, le bio, pas en tant que label en dehors duquel il n'y a pas de vérité, mais le bio en tant que représentant d'une tendance consistant à dire il va falloir faire avec des méthodes plus douces et plus durables si on a l'intention de durer, pardon pour cette répétition, me semble représenter quelque chose de pertinent. Voilà. Après, on peut discuter des points de détail du label, on peut dire qu'il faut en créer d'autres, on peut dire etc. Mais ça indique une tendance d'adoucir les pratiques agricoles, mais qui ne flotte, j'insiste, qu'avec deux codicils importants, mieux payer les produits issus de l'agriculture et par ailleurs manger moins de viande. Voilà, c'est ça les deux éléments sans lesquels l'équation d'ensemble aura beaucoup de mal à flotter. Alors, après, j'ai une question sur la forêt. Il y a quelqu'un qui me dit est-ce qu'il est toujours aussi judicieux de planter des espèces locales? Ou faut-il commencer à réfléchir à importer des espèces plus résistantes afin de pouvoir survivre au changement climatique? Alors là, pour le coup, avoir posé la question, c'est y avoir répondu. dans la mesure où le climat va continuer à dériver à partir de maintenant pendant encore des siècles, il est évident qu'il faut en tenir compte quand on a une espèce qui met des dizaines d'années, voire des siècles à pousser. Oui, bien évidemment, il faut tenir compte aujourd'hui de ce que seront les conditions de demain. Alors parfois, ça pose des problèmes. Par exemple, vous avez des espèces qui sont bien adaptées à des conditions arides et chaudes, et malheureusement, elles ne supportent pas le gel. Alors, tant qu'il restera encore du gel au moyen de latitude, c'est compliqué. Vous avez des espèces qui supportent bien les conditions arides et chaudes et qui sont à croissance lente, et même quand tout va bien, ça reste des espèces à croissance lente. Donc ça veut dire qu'en gros, vous ne pouvez pas profiter de l'optimum de la production de bois tant que tout va bien, parce que vous êtes obligé d'entrée de jeu de planter des trucs qui résistent beaucoup mieux à des conditions adverses. Je prends un arbre par exemple qui est l'if. L'if résiste assez bien à la chaleur et à la sécheresse, mais sauf que même quand il flotte et qu'il fait doux, bah, l'if ne pousse pas beaucoup plus vite. Donc si vous voulez avoir du bois d'if pour faire de la charpente, okay, voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, donc il y a des bois de montagne qui résistent assez bien à la fois à la chaleur et à le mélèze, par exemple, ils résistent assez bien à des conditions, voilà, mais ça pousse pas vite. Donc vous avez, là c'est pareil, il y a un arbitrage à faire, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Aujourd'hui, on a sélectionné des espèces forestières, exactement comme les espèces agricoles, qui performent bien dans des conditions climatiques un peu étroites qui sont celles de leur zone d'implantation dans un climat stable, mais dans un climat qui se met à se balader dans des plages qui varient au cours du temps, c'est pas nécessairement des espèces adaptées, ça sera plus difficile. Donc oui, il faut en tenir compte. Alors, au sein de la gestion forestière du pays, alors si je parle, je suis désolé pour mon interlocuteur, non pas de la Belgique, mais de la France, mais en fait, ça vaut évidemment pour les Ardennes, eh bien, il me semble qu'il est important que dès à présent, on inclut ça dans la gestion des espèces forestières. Alors que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire récolter avant l'heure des espèces qui sinon vont mourir sur pied. C'est-à-dire on sait qu'on ne les récoltera pas à l'optimum en attendant qu'elles soient vraiment au moment où ça nous arrangerait le plus. Mais sauf que si on attend, eh bien, on risque de ne pas les récolter du tout et d'avoir, comme les épicéas et leurs scolytes, des arbres morts qu'on ne peut plus exploiter. Là, on a une première question à se poser avec une réponse pas simple, parce que je rappelle que l'expérience qu'on est en train de vivre est un grand saut dans l'inconnu, et le grand côté très désagréable de l'inconnu, c'est qu'il est inconnu. Donc, on peut essayer de l'approximer, on peut essayer d'avoir, voilà, mais on ne connaîtra pas tout à l'avance. Donc, il y a ça. Il y a qu'est-ce qu'on replante une fois qu'on a coupé? Il y a est-ce qu'on diversifie pour avoir des forêts qui sont plus résistantes à la propagation des maladies, par exemple? Il y a un article qui est paru dans une revue scientifique il n'y a pas longtemps qui montrait que quand on augmentait le nombre d'espèces sur une parcelle, en fait, la probabilité qu'on chope au moins une maladie sur une espèce augmentait.
mais que par contre, la probabilité que la totalité de la parcelle meure baissait. Ce qui paraît pas complètement, voilà, pas très étonnant et pas très difficile à comprendre. Eh bien, aujourd'hui, avec des forêts monospécifiques, tant qu'on est à l'abri de la maladie qui concerne l'arbre ou du ravageur qui concerne l'arbre concerné, tout va bien. Par contre, s'il y en a un qui arrive, là, tout va mal et on perd tout. Enfin, on peut potentiellement tout perdre, pour être plus précis. Eh bien, la bonne question, c'est est-ce qu'on fait des forêts plus diversifiées, comme dans la nature, hein, et à ce moment, on a globalement une résistance un peu plus élevée. Par contre, on a une gestion forestière plus compliquée, parce que ça veut dire que vous devez aller chercher trois arbres ici, trois arbres là, etc., et ça coûte plus cher. Voilà, donc y a, toutes ces questions-là se posent. Alors, j'ai pas la réponse, je n'aurais pas la prétention d'avoir la réponse à toutes ces questions-là dans ce que je suis en train de dire. Par contre, ce dont je suis absolument certain, c'est qu'il est urgent de mettre du jus de cerveau dans ce genre de réflexion. Et aujourd'hui, un des drames qu'il y a, alors ça ne concerne pas que la gestion forestière, j'ai envie de dire, ça concerne l'ensemble des segments de l'économie. Mais l'un des drames qu'il y a, c'est que le coût marginal de faire réfléchir des gens à ce qu'il serait pertinent de faire dans un monde qui deviendrait très chahuté, il est totalement ridicule. Je veux dire, à l'échelle d'un secteur économique, avoir 50 personnes qui réfléchissent et qui se posent la question de savoir où sont les optimums, où sont les arbitrages dans ce genre d'univers, c'est très très, c'est rien, quoi. Je veux dire, puis en plus des gens qui seraient d'accord pour commencer à réfléchir à ça, on en trouve, on se ramasse, on se baisse, on en ramasse à l'appel. Et on le fait peu ou pas assez. Et donc j'ai envie de dire que la première chose à faire, et là où vraiment la question pour moi se pose même pas, et encore une fois, évidemment, c'est un choix personnel, hein, ça serait de commencer par faire ça. Donc de créer ce corpus de connaissances qui permet de savoir un peu où on met les pieds. Alors il y a des expérimentations qui se font, hein. L'ONF a par exemple des arboretums, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de places, d'espaces. Moi, j'en ai visité un dans les Landes, où ils installent tout un tas d'espèces pour voir comment, au fil du temps, ces espèces se portent. Est-ce que la même espèce plantée ici et plantée là se porte plutôt mieux ou plantée là? Alors, ils ont tout un réseau d'arboretums qui va de la Norvège jusqu'au Portugal, et puis ils regardent comment ça se passe. C'est essentiel, c'est utile, mais ça ne suffira pas parce qu'au moment où on a la réponse, quelque part, c'est trop tard. Donc, voilà. Donc, mais ça participe nécessairement d'expériences utiles. Et du reste, de mémoire, le représentant de l'ONF avec qui j'avais discuté m'avait dit qu'il manquait d'argent et il manquait de surface pour faire ce genre d'expérience. Bon, ben voilà, quand j'entends ça, je suis un peu triste parce que je me dis, c'est quand même pas l'argent que ça coûte. Et, enfin, à l'échelle des 2 200 milliards d'euros de PIB du pays, on en ferait un peu moins dans la 5G et un peu plus dans ce genre de truc, je pense que la collectivité y gagnerait. Donc, c'est pas tellement l'argent qui manque hein, pour faire ce genre de choses, c'est vraiment la volonté de faire et des arbitrages. Voilà, et donc pour finir cette longue réponse sur la forêt, on ne sait pas tout, c'est compliqué, en plus le vivant c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que l'inerte, donc moi je fais quelque part un métier facile face aux biologistes. Mais même si c'est compliqué et même si c'est incertain, bah, faut y aller. Donc il faut mettre beaucoup plus de. Donc il faut être capable de répondre à la question qui m'a été posée ou commencer à avoir des éléments qui sont un peu plus sophistiqués que juste dire oui, ça serait pas idiot d'y penser. Voilà. Donc moi à ce stade, tout ce que je peux vous dire, c'est oui, ça serait pas idiot d'y penser. Mais il est évident que il faut très vite ou le plus vite possible avoir des éléments beaucoup plus circonstanciés à vous proposer en réponse à cette question. Alors après, il y avait une question qui va rebondir sur ce que j'ai raconté tout à l'heure sur l'agriculture, qui est comment la France doit-elle gérer ses forêts? Optimisation entre le stockage de carbone, protection de la biodiversité, utilisation du bois pour le chauffage et la construction, etc. Alors c'est un sous-ensemble de ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'occupation des sols, c'est-à-dire les sols, c'est agriculture, énergie, matériaux, infrastructures, etc. et biodiversité. Et ben là c'est pareil à l'intérieur du segment forestier. Donc là, je viens de donner un élément de réponse en disant est-ce qu'il faut diversifier les forêts pour les rendre plus résilientes? À ce moment, si vous diversifiez les forêts pour les rendre plus résilientes, eh bien, vous ne pouvez pas les dédier à un seul usage. Vous aurez à la fois là-dedans du taillis, du bois pour l'énergie, du bois pour la construction, du bois qui sert à rien, entre guillemets, enfin qui sera juste là pour la biodiversité. Donc je n'ai pas non plus la réponse à cette question de manière formel, je ne suis pas forestier, j'ai des avis sur les questions qui conviennent de se poser. Donc, s'ils sont essentiellement celles que j'ai évoquées juste avant. Et j'ai un avis sur la manière de rentrer dans le sujet, c'est-à-dire de payer des gens pour y réfléchir.
Et à ce stade, j'ai malheureusement pas. Et j'ai quelques petits éléments de conviction, qui est que de faire des forêts aujourd'hui totalement monospécifiques, dans le contexte climatique qui nous attend, c'est pas une bonne idée. Voilà. À part ça, bah, ma foi, je le redis, il faut regarder. Difficile pour moi de dire des choses beaucoup plus beaucoup plus précises que ça. Que c'est pas suffisant pour sauver l'humanité de reboiser la terre et de planter des arbres. Alors, ce qu'on appelle, oui, non, ça c'est clair. Et donc, est-ce qu'il faudra recourir à des technologies d'aspiration du CO2 dans l'air? Ah. Alors, oui, ça n'est pas suffisant aujourd'hui de planter des arbres pour compenser nos émissions de CO2. C'est très clair. Aujourd'hui, les écosystèmes naturels absorbent en gros un quart des émissions humaines. Donc vous pourriez vous dire, au premier ordre, il faudrait les multiplier par 4. Sauf qu'aujourd'hui, les forêts couvrent un quart des terres émergées. Donc si on les multiplie par 4, ben, il n'y a plus du tout d'espace pour se nourrir. Donc on voit bien que, on a un petit sujet. Donc oui, ça ne suffirait pas. Ça suffit d'autant moins que pour le moment, malheureusement, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que l'expansion démographique continue à conduire à supprimer des forêts pour y mettre des cultures. Par ailleurs, qu'une partie des écosystèmes naturels et une partie des forêts sont déjà en train de souffrir, de s'affaiblir, voire risquer de dépérir, alors lentement, sécheresse, etc., brutalement, par incendie. Ce qui s'est passé en Australie il y a un an, là, c'est qu'on a quand même un tiers de la superficie française, en gros, qui a brûlé. Donc on a à peu près 20 millions d'hectares qui ont brûlé. La superficie française, c'est 55. Hein. Donc on n'est pas en train de parler de cacahuètes. Et bien évidemment, c'est des écosystèmes qui vont mettre très longtemps à se reconstituer. Et peut-être que pour une partie que je ne connais pas, cette reconstitution n'arrivera pas. Il y a un risque majeur d'assèchement du bassin amazonien, donc avant même les turpitudes de notre ami Bolsonaro. Mais enfin, pas tout seul hein, dans cette histoire, parce que la déforestation amazonienne, on en importe une partie à chaque fois qu'on achète du soja ou du. Hein, c'est pas juste Bolsonaro hein, dans cette histoire. S'il y a un assèchement significatif du bassin amazonien, on aura beau y planter des arbres, bah, enfin, si, il poussera des arbustes, il poussera plus des arbres, quoi. Donc, enfin, oui, on va se récupérer un écosystème plus sec, stockant moins de carbone, et voilà. Donc, donc planter des arbres, oui, c'est utile de le faire à chaque fois qu'on peut. C'est utile de ne pas les enlever, surtout à chaque fois qu'on peut. Mais pour autant, ça ne peut pas être la seule voie de réponse au problème climatique. Il est absolument impératif de baisser les émissions, qui finiront par baisser de toute façon un jour, parce que la planète est finie, mais il serait sage de le faire de nous-mêmes et d'une façon organisée. Après, est-ce qu'on peut suppléer à ça par des moyens technologiques? Alors là, la réponse est malheureusement non. Le CO2, le dioxyde de carbone, est une molécule inerte, comme tous les oxydes qui sont des molécules inertes, c'est-à-dire que les oxydes en général ne réagissent pas de manière spontanée avec d'autres molécules pour faire autre chose que des oxydes. Il faut apporter de l'énergie à un oxyde pour qu'il veuille bien cesser d'être un oxyde. C'est ce qui se passe avec la photosynthèse. Hein. La photosynthèse, c'est une réduction du dioxyde de carbone. On enlève l'oxygène au carbone. Et le fait d'enlever l'oxygène se fait parce qu'il y a de l'énergie, un photon, c'est pour ça qu'on appelle ça la photosynthèse, qui arrive sur la plante, qui opère cette réaction. Comme le CO2 est une molécule inerte et que par ailleurs il est très dilué dans l'atmosphère, le CO2 il est dilué à 0,04% dans l'atmosphère. Aller récupérer une molécule inerte diluée à 0,04% dans l'atmosphère demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est la savonnette qui ne veut pas du tout se laisser attraper et il n'y a pas beaucoup de savonnette. Donc il faut beaucoup arpenter l'atmosphère et avoir des bras très musclés pour retenir la savonnette, sinon ça ne marche pas. Alors en pratique, ce qu'on appelle le direct air capture est un processus par lequel on fait passer l'air atmosphérique
sur un adsorbant du CO2. Alors, dans les centrales à charbon, c'est des amines. Là, je n'ai pas regardé sur le direct air capture si c'est le même composant. Et derrière, mais je pense que oui, parce que derrière, ce que j'ai lu indiquait qu'il fallait chauffer la substance qui avait adsorbé le CO2. Et en l'occurrence, les amines, c'est comme ça qu'on désorbe le CO2, c'est en chauffant. Donc, en gros, vous faites passer l'air sur un fluide qui va agripper, on va dire, le CO2 contenu dans l'air. Enfin, il n'y a pas beaucoup de CO2 dans l'air, donc il faut un énorme brassage mécanique avec beaucoup d'énergie pour faire passer beaucoup d'air. Et puis ensuite, une fois que le CO2 est agrippé dans ce fluide, qu'il a été retenu dans ce fluide, il faut chauffer le fluide pour que le fluide se sépare, veuille bien divorcer du CO2. Ce chauffage demande de l'énergie. Et un petit calcul de coin de table, alors que je vous livre, non vérifié, mais enfin, voilà, que j'ai fait, semble indiquer que pour reprendre à l'atmosphère le CO2 que nous y mettons annuellement avec ce genre de processus, il faudrait disposer de plusieurs fois l'énergie aujourd'hui consommée par l'humanité. D'accord? Il faudrait disposer rien que pour alimenter ce processus-là. Et il faudrait mettre l'équivalent d'arbres, c'est-à-dire des objets technologiques faits de métal, à peu près en même quantité sur Terre. Donc un quart des terres émergées devrait être couvert de ce genre de trucs. Je vous laisse imaginer le tableau. Donc la vraisemblance qu'on arrive à faire ça à un horizon de temps raisonnable, c'est-à-dire d'ici à ce que mes enfants aient mon âge, me paraît pas complètement assurée, on va dire. Voilà, donc vous oubliez ce genre de trucs. Si je suis très cash dans ma réponse, ça ne sera absolument pas un déterminant significatif de la lutte contre le changement climatique. Par contre, diminuer la quantité de viande qu'on mange et essayer du moins mal possible d'arrêter la croissance démographique pour éviter de déforester, ça sera beaucoup plus utile que de commencer à faire joujou avec ce genre de technologie. Ce qui peut avoir de l'impact, c'est d'empêcher le CO2 de partir dans l'air. Alors là, on ne parle pas du direct air capture, donc d'aller chercher le CO2 une fois qu'il est dans l'air, on parle de l'empêcher d'y aller, et là, on parle de la capture et séquestration. Donc là, on met une espèce de grosse pamperce à CO2, mais c'est la même chose, c'est un bain d'amine. On fait passer le CO2 d'une fumée sur un bain d'amine, puis on chauffe les amines pour récupérer le CO2. Alors pourquoi est-ce qu'on fait passer la fumée? Dans la fumée, il y a autre chose. Dans la combustion, dans une combustion à l'air, vous avez plein d'azote qu'il faut séparer du CO2. C'est pour ça qu'on fait passer ça sur un lit d'amine. Vous avez d'autres processus dans lesquels on peut avoir du CO2 pur, mais à ce moment, le processus est à l'amont. C'est avec de l'oxycombustion et de la gazéification. Et à ce moment, le processus un peu compliqué est à l'amont. Peu importe. Une fois que vous avez votre CO2, vous pouvez l'enfouir sous terre. Alors, c'est des choses qu'on sait faire. Les Norvégiens savent très bien faire ça, parce que dans les gisements de gaz naturel de la mer du Nord, vous avez du CO2 en quantité significative, entre 5 et 10%. Et ce CO2, vous ne pouvez évidemment pas le mettre dans les tuyaux de gaz. Le gaz de votre cuisinière, là, il ne contient pas du tout de CO2, c'est même interdit. Et donc, ce CO2 qui est séparé en tête de puits, il faut bien en faire quelque chose. Alors, historiquement, les Norvégiens le laissaient partir dans l'air, mais l'État norvégien, qui ne se remet toujours pas d'avoir fait fortune grâce au pétrole, a dit non, non, vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas bien. Donc, remettez-le donc, enfin, faites-en autre chose. Et donc, les Norvégiens ont dit bah, très bien, bon, on va le remettre sous terre. Puisqu'on a fait sortir du pétrole et du gaz, il y a de la place sous terre, donc on va mettre le CO2 à la place. Donc, c'est exactement ça qu'ils font. Mais il n'y a pas de combustion dans cette affaire, c'est directement une séparation. Entre du méthane et du CO2, donc c'est plus simple comme procédé. On pourrait faire ça avec la production d'hydrogène. Quand on produit de l'hydrogène par réformage du méthane, donc on mélange de la vapeur d'eau et du méthane CH4, on chauffe ça très fort et ça fait de l'hydrogène et du CO2, le CO2 qu'on obtient est pur. Donc là, on peut le prendre et le séquestrer. Voilà, ça c'est un truc qu'on pourrait faire. Mais ça demande quand même une dépense énergétique qui n'est pas nulle. Ça demande un endroit où mettre le CO2. Ça demande de bâtir des tuyaux de CO2, etc. Donc ça peut représenter une marge de manœuvre déjà plus importante que le direct air capture qui sera, on va dire, ça va faire quelques articles qui amuseront la galerie dans quelques journaux, mais ça ne sera jamais quelque chose de très significatif. Par contre, la CCS peut représenter plus de zéro, on va dire. Est-ce que ça sera significatif dans le paysage? Personnellement, j'ai du mal à le croire. Parce que quand on fait des calculs d'ordre de grandeur, là aussi, on se rend compte que si ça permet de séquestrer, allez, on va dire, 5% des émissions humaines, ce sera le bout du monde d'ici à 2030 ou d'ici à 2050, pardon.
Mais bon, 5%, si on y arrive, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Mais c'est quelque chose qui demande par contre des gros investissements capitalistiques et qui ne se passe pas en un claquement de doigts. Alors, après. Ah! Il y a un sujet qui est celui des herbivores. Est-ce qu'il faut faire la guerre aux herbivores alors qu'on a besoin des herbivores là où il y a des pâturages parce qu'on ne fait rien d'autre et que par ailleurs ça amende les sols avec le caca? Alors, c'est pas exactement comme ça que la question est posée, mais. Donc, faut-il pas réorienter les systèmes de production de viande et de lait plutôt que de chercher à les bannir? Alors là, ma réponse est oui. Il y a un article qui a été publié il y a 2 ans et qui avait été présenté aux ateliers du Shift. Donc, si vous retrouvez les vidéos des ateliers du Shift il y a 2-3 ans, d'un chercheur qui s'appelle Pedros Chatzimpiros et qui avait montré que dans un contexte de diminution forte des cheptels, en fait, il fallait conserver des ruminants et supprimer essentiellement les monogastriques. Donc, en gros, les cochons et les poulets. Alors, baisser beaucoup le nombre de ruminants, d'abord parce que ça fait du méthane, et ensuite parce que ça demande des cultures à l'amont qui sont elles-mêmes productrices de gaz à effet de serre, parce qu'il y a des engrais et qui demandent de l'espace. Donc, si je résume. En gros, on a beaucoup moins de poulets, beaucoup moins de cochons, et on garde des vaches, essentiellement là où il y a des pâturages et où on ne peut rien faire d'autre. Je schématise, mais c'est à peu près ça l'idée. Alors, je n'ai pas regardé, pour être très franc, si ce point de vue qui rencontre, enfin, qui a un certain nombre de partisans dans le monde agronomique, était totalement compatible avec l'éradication et à quel horizon avec l'éradication des émissions humaines de gaz à effet de serre ou avec leur compensation par des puits. Mais en tout cas, c'est un point de vue intéressant, je trouve, parce que effectivement, c'est compliqué de mettre des poulets ou des cochons dans des prés, compliqué de leur faire manger que ça. Enfin, si des poules, vous pouvez les mettre dans des prés, mais pas la même production que des bovins. Et donc le bovin est une bonne manière de valoriser les surfaces où vous n'avez que des pâturages, la montagne, les espaces un peu pauvres, etc. Et puis ailleurs dans le monde, c'est vrai. Alors, j'ai envie de dire, là pour le moment je suis prudent, mais l'hypothèse que j'ai envie de tester, en tout cas c'est vers ça qu'on s'achemine dans le plan de transformation de l'économie française, donc là où on est à un horizon de temps qui n'est pas encore plus l'infini, mais qui est les années et décennies à venir. C'est qu'il y a au moins une première étape qui semble pertinente dans cette affaire, qui est de diviser le cheptel bovin par deux, de laisser essentiellement les bovins à l'herbe, c'est-à-dire qu'en fait les bovins qu'on conserve, c'est les bovins à l'herbe, ceux qu'on ne conserve pas dans cette affaire, c'est ceux qui sont hors sol, stabulation. Et d'avoir pour ces bovins à l'herbe un système qui est un système essentiellement court, puisqu'ils vont manger essentiellement de l'herbe, et pour les compléments alimentaires, de faire en sorte que ça ne vienne pas de très loin, donc éventuellement un peu de soja cultivé sur l'exploitation, un peu de luzerne, un peu etc. La luzerne, on peut en faire quand même dans beaucoup de régions. Voilà, c'est autour de cette idée qu'on tourne. Alors cette idée, ça permet de diviser par deux les émissions de méthane du cheptel et ça permet de supprimer l'essentiel des émissions agricoles amont liées à la culture céréalière qui permet de nourrir les bêtes qui sont hors sol. Alors cette affaire-là va nécessairement avec du côté des éleveurs une augmentation très forte des prix au kilo parce que à nouveau il n'y a pas de raison que ce soit eux les dindons de la farce dans la mesure où jusqu'à maintenant ils n'ont fait que répondre à une demande sociétale qui était donnez-nous-en le plus possible pour le moins cher possible. Donc la filière a répondu à ça. Et puis par ailleurs, vous ne pouvez pas demander à une filière d'innover si elle est pauvre. Donc si on veut que l'agriculture innove, il faut lui donner de l'argent. Voilà, envie de dire, l'exigence va avec les moyens, sinon ça ne marche pas. C'est comme dans une entreprise, si vous êtes exigeant envers des gens à qui vous donnez zéro moyen, marche moyen. Pardon pour la répétition. Donc dans l'agriculture, voilà
l'idée autour de laquelle on tourne, qui est d'avoir une réduction significative des bovins, mais en privilégiant le pâturage, qui effectivement est un système qui a une logique intéressante et qui est beaucoup plus ancien que la logique de l'élevage hors sol, qui demande des chaînes logistiques amont et aval qui sont beaucoup plus importantes. Voilà, et donc je le redis, la contrepartie, c'est qu'il faut, y compris par des mécanismes fiscaux ou réglementaires, augmenter la quantité d'argent qui rentre dans le système par kilo à partir du moment où c'est comme ça qu'on s'organise. Alors après, il y avait une question sur les puits de carbone en changeant de modèle pour une agriculture bio ou l'agroécologie ou l'agroforesterie. Donc en fait, oui, c'est une reformulation de choses un tout petit peu vues. Donc oui, mais il faut la payer pour ça, j'insiste, hein, c'est-à-dire il faut qu'on accepte collectivement que si l'agriculture s'occupe de récupérer une partie de nos émissions en créant des puits de carbone, alors que ce n'est pas nécessairement indispensable pour son fonctionnement direct. Que si elle s'occupe de restaurer de la biodiversité, alors que, encore une fois, à très court terme, et j'insiste, ce n'est pas indispensable pour son fonctionnement actuel, à ce moment, la collectivité doit accepter la contrepartie qui va avec, c'est-à-dire de donner plus d'argent aux agriculteurs. Ça me paraît totalement évident que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc oui, je pense, à titre personnel, alors encore une fois, c'est une opinion qui n'engage que moi, je pense à titre personnel que c'est une bonne idée d'avoir une agriculture qui soit plus respectueuse de l'environnement, plus diversifiée, moins dépendante de chaînes logistiques longues, plus respectueuse des sols et moins émettrice de gaz à effet de serre. Et tout ça va avec le fait que les gens y gagnent plus d'argent. Alors après, passons au climat. Ah, alors il y a une question sur l'inertie du système climatique. Quelle est la réalité de l'inertie du système climatique? Est-ce que si on arrête les émissions demain matin, la température continue de monter ou pas? Alors, la réponse est un peu, mais pas beaucoup. En fait, si on arrête les émissions demain matin, la température se stabilise assez vite. Par contre, elle ne décroît quasiment pas derrière. Pourquoi est-ce que je dis que les 1,5 degrés, ils sont déjà embarqués? Alors je confesse effectivement, quand je dis ça, faire deux choses qui ne sont pas exactement à situer sur le même plan. La première, c'est que j'utilise une simulation du GIEC qui date de 2014, alors que je pense que Valérie utilise une simulation révisée qui va figurer, Valérie Masson-Delmotte, parce que c'est, on me dit qu'elle... qui est plus récente et où la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que... l'élévation de température en fonction du budget carbone augmente un peu moins vite. Donc en fait, là où, avec les graphiques que j'utilisais moi, qui datent du rapport 2014 du GIEC, si ma mémoire est bonne, l'élévation de température pour le carbone qu'on avait déjà mis dans l'atmosphère, on avait signé pour 1,5, en fait, les données plus récentes... c'est plutôt qu'on a signé pour 1,2 ou 1,3. Voilà. Donc, qui est en fait l'élévation quasiment qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc, les 0,2 de différence s'expliquent par le fait que, d'après ce que j'ai compris, on ne travaille pas exactement avec avec des données qui sont datées de la même époque. Alors après, il y a une deuxième manière d'interpréter la chose, qui est de dire les émissions vont de toute façon pas baisser, et vont pas se mettre à zéro demain matin. Donc, est-ce qu'il y a un réchauffement pas évitable, même avec une baisse drastique des émissions? Là, ma réponse est oui, puisque le réchauffement de 2 degrés demande à ce que les émissions deviennent quasi nulles d'ici à 2050. Et donc ça va avec une baisse des émissions qui est de l'ordre de 5% par an à partir de maintenant. Alors, il y a des gens qui disent que 1,5 degré pourrait s'obtenir avec une baisse de 7% des émissions. En fait, il faut bien voir que ce 1,5 degré, quand vous regardez le scénario, c'est en 2100 et ce n'est pas sur toute la durée du 21e siècle. En fait, ce scénario-là vous fait dépasser les 1,5 degrés dans le courant du 21e siècle, mais ça descend. Après, dans la deuxième partie du 21e siècle, parce que vous vous mettez à avoir une absorption nette de CO2 en provenance de l'atmosphère. Donc en fait, ça renvoie à la question précédemment traitée,
qui est que dans la deuxième partie du XXIe siècle, non seulement les hommes n'émettent plus rien, ou quasiment plus rien, mais en plus ils ont réussi à créer des puits tels que le flux net de carbone chaque année est une soustraction à l'atmosphère et non pas une addition à l'atmosphère. Alors avec 10 milliards de bonshommes sur Terre, ou 8, je vous laisse juger de la pertinence de ce scénario qui consiste à penser qu'on va reforester partout et par ailleurs avoir un fonctionnement de la société dans lequel on garde quelque chose qui n'est pas très éloigné du fonctionnement actuel avec 0 g de pétrole, 0 g de charbon et 0 g de gaz. Voilà. Ces scénarios-là, alors là pour le coup, ils ne sont pas faits par Valérie Masson-Delmotte, ils sont faits par des économistes et ces scénarios-là, à titre personnel, je n'y crois pas. Donc là, c'est à titre personnel, hein, j'assume. Je considère qu'ils n'ont pas de valeur parce que ils sont faits à partir d'hypothèses qui sont totalement contradictoires les unes avec les autres. Donc les 1,5 degrés du scénario le moins émissif, en fait, c'est pas 1,5 degré jamais dépassé au cours du siècle. C'est dépassé et ensuite ça baisse un peu parce qu'on arrive à aspirer du CO2 en provenance de l'atmosphère. Si on est sur un scénario dans lequel à aucun moment on est capable d'aspirer en net, donc ce qu'on fait au mieux, c'est d'aller vers zéro et d'y rester, à ce moment on dépassera les 1,5 de façon absolument certaine et de façon extrêmement probable on dépassera les deux. Et tant que dans et même le scénario à 7% de baisse des émissions par an à partir de maintenant, non, pardon, pas même. Le scénario de 7% de baisse des émissions à partir de maintenant, là pour le coup, il conduit sur les 20 prochaines années à un réchauffement qui est à peu près le même qu'un scénario de hausse des émissions de 3% par an à partir de maintenant. Sur les 20 prochaines années, ces deux scénarios-là ne se différencient pas. Donc, sur la partie, les 1,5 degrés, c'est déjà foutu. En fait, j'ai formellement tort au regard des dernières publications, enfin, de ce qui va sortir dans le prochain rapport du GIEC, parce que la sensibilité du climat a été un tout petit peu revue à la baisse par rapport à ce qu'il y avait dans les simulations précédentes. Par contre, sur le côté, quoi qu'on fasse dans les 20 prochaines années, entre le scénario le plus émissif et le scénario le moins émissif, ça ne change rien sur la trajectoire climatique, là, entre guillemets, j'ai raison, au sens où c'est ce qui sort de graphiques directement issus de publications scientifiques, qui seront donc prises en compte et que je n'ai pas vu invalider jusqu'à maintenant, à cause de l'inertie du système. Voilà, si je schématise, enfin, ou si j'essaye de discriminer, voilà. J'insiste sur le fait que les 1,5 degrés en question, encore une fois, résultent dans le graphique que j'utilise actuellement des seules simulations qui étaient publiées jusqu'à maintenant. Voilà. Est-ce que ça fait une grosse différence, cette histoire-là, que de toute façon, ça soit foutu à 1,3 ou 1,5? À mon avis, non. Parce que ce qui compte vraiment, et en fait, c'est là-dessus que j'insiste maintenant dans mes exposés, c'est l'inertie des 20 ou 30 prochaines années, quel que soit le scénario d'émission, entre je commence à baisser fortement et je continue à laisser les émissions filer. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les émissions filer, bien au contraire, parce que au-delà de 20 ans, ça commence à devenir très discriminant sur ce qui va se passer, et bon nombre de gens qui écoutent seront encore vivants dans 20 ans, en tout cas je leur souhaite. Donc c'est pas du tout une raison pour être laxiste, mais par contre, ça veut dire que de toute façon, sur les 20 prochaines années, il va falloir se couvrir contre, et même après, contre des évolutions qui vont aller en quantité croissante. Après, il y a un certain nombre d'évolutions qui sont mises en route dans le système climatique. Même si on arrivait à contenir l'élévation de température à 1,5 degré, elles vont continuer. Par exemple, la hausse du niveau des mers, de toute façon, ça va continuer. Par exemple, il y a des perturbations sur le cycle hydrologique, qui, une fois qu'elles sont là, sont permanentes, j'ai envie de dire, tant que l'élévation de température a lieu. Donc ça ne veut pas dire parce que la température s'arrêterait de monter que les conséquences de cette élévation de température vont s'arrêter de croître. Il y a un certain nombre de conséquences qui vont continuer à croître bien après que la température soit stabilisée. Alors, ce n'est pas une raison pour ne pas être précis dans les chiffres qu'on utilise. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, il ne faut pas. Le truc auquel il faut faire attention, encore une fois, c'est que la stabilisation de la température, ce n'est pas la stabilisation des ennuis. C'est malheureusement, les ennuis vont continuer à augmenter bien après que la température se stabilise.
Alors après, il y a une question sur la voiture électrique. Pourquoi dépenser des milliards en recherche et en investissement pour la voiture électrique alors qu'elle ne compte que pour 5% des émissions de CO2 mondiales? Alors ce n'est pas la voiture électrique, hein, c'est la voiture tout court. Et que je sais que le modèle n'est pas viable, surtout à cause des batteries. Ne serait-il pas plus pertinent de diriger ces fonds vers la transition énergétique des cimenteries, centrales électriques à charbon et transports maritimes, qui sont les plus gros émetteurs de carbone? Alors, et qui pourrait en 10 ans diminuer d'environ 40% des émissions mondiales. Alors, malheureusement, non, en 10 ans, on diminuera pas facilement 40% des émissions mondiales. 40% des émissions mondiales, c'est la totalité des émissions des centrales à charbon plus la totalité des émissions directes de l'industrie. Donc ça, malheureusement, on supprimera pas en 10 ans. C'est pas possible, même si on s'y met d'arrache-pied. Même dans les délires les plus fous que le grand nucléariste, que Hervé Kempf a noté que j'étais, où on ferait une accélération massive sur le nucléaire, on n'éradiquera pas le charbon mondial en 10 ans, jamais de la vie. Même dans les délires les plus fous où le nucléaire irait encore plus vite pour électrifier tous les processus industriels, on supprimera pas les émissions directes de l'industrie en 10 ans, même dans mes rêves les plus fous. Donc voilà. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut tout miser ou rien miser sur la voiture électrique. Alors, je vais essayer d'être un peu précis. Le plan de transformation de l'économie française que va faire, qu'est en train de faire le Shift Project, est un plan qui se veut systémique. Donc, en gros, notre discours n'est pas de dire il y a un sujet qui est plus important qu'un autre. Il est de dire il va falloir agir sur tous les fronts, parce que si on vise la neutralité carbone, bah, faut plus d'émissions nulle part. Donc, toutes les émissions sont à, entre guillemets, supprimer. Par contre, l'ordre dans lequel on fait les choses est à graduer en fonction du plus facile vers le plus difficile, exactement comme au sudoku. Si vous commencez, ou comme en alpinisme, si vous n'avez jamais fait d'alpinisme et que vous commencez directement par la face nord des Grandes Jorasses, eh bien, la probabilité que vous arriviez vivant en haut n'est pas très élevée, alors que si vous faites ça après 10 ans d'entraînement, vous avez un peu plus de chances de le faire. Voilà, c'est exactement pareil. Il faut commencer par les marches les plus faciles. Et aller progressivement vers le plus difficile. Donc en gros, alors les économistes ont coutume de dire, bah, c'est parfait, mettons une taxe sur le carbone et puis le monde économique ira d'entrée de jeu au plus facile parce que c'est là qu'il réduira pour le moins cher par tonne de carbone. Alors c'est un raisonnement qui a plein de limites. Je ne sais pas si j'en parle aujourd'hui ou si je renvoie ça à une autre question qui ne manquera pas de m'être posée à un prochain Facebook Live sur les heures et les malheurs de la taxe carbone. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme de bon sens là-dedans. C'est-à-dire que, quelle que soit la voie d'action qui est privilégiée, que ce soit la voie réglementaire ou la voie par les signaux pris, pardon, l'idée de commencer par là où ça va le plus vite n'est pas idiote. Et incidemment, c'est bien pour ça qu'à titre personnel, je suis opposé à un certain nombre de choses qu'on prétend faire au nom du climat en France, parce qu'en fait, on se rend compte que ça, c'est beaucoup d'argent pour des émissions, donc beaucoup de moyens physiques, hein, pour des émissions supprimées qui sont marginales ou nulles, alors que la même quantité d'argent, c'est-à-dire les mêmes moyens physiques employés ailleurs, permettrait d'aller beaucoup plus vite. Donc, et puis par ailleurs, la voiture aujourd'hui est dépendante du pétrole, et même si on se fiche du climat, le pétrole est une ressource épuisable. Il faut savoir que les transports sont aujourd'hui dépendants à 98%, non 95 maintenant, du pétrole. Bah, ce pétrole, il n'y en aura pas pour l'éternité. Donc, se déplacer autrement qu'avec du pétrole est de toute façon un sujet qui reste pertinent. Donc, oui, il faut s'occuper de faire autre chose que des voitures à essence. Alors maintenant, est-ce qu'il faut faire des voitures électriques? Pas nécessairement. On peut faire des véhicules électriques. Donc on peut faire des vélos électriques, on peut faire des trains électriques, on peut faire des... Voilà, on peut faire plein d'autres véhicules électriques que simplement de la voiture électrique. Et ce qui est absolument certain, c'est que la pire des choses à faire, c'est de commencer par faire des tanks électriques, donc des voitures de 2 tonnes. À titre personnel, je serais pour l'interdiction de ce genre de trucs, donc pour obliger les constructeurs à faire de moins en moins de pétrole en leur interdisant de dépasser une certaine masse pour les véhicules électriques qu'ils construisent. Je pense qu'une réglementation européenne qui ferait ça serait une réglementation utile, parce que là, on est juste en train de faire des véhicules pour bobos qui cherchent à se donner bonne conscience, si je suis un peu désagréable.
Donc faire des véhicules électriques, oui. Mais je le redis, on peut faire des vélos électriques. Un vélo électrique, c'est 100 fois moins de capacité de batterie qu'une voiture. C'est, alors je ne me rappelle plus des ratios exacts, mais enfin c'est entre 10 et 20 fois moins d'occupation d'espace au sol. C'est en gros 100 fois moins de matériaux mobilisés, alors plutôt 50. Un vélo électrique, ça pèse 20 kilos, une voiture, ça pèse une tonne, vous voyez, donc bon, 50. Donc, et là, on peut très bien dépenser des milliards en recherche et en investissement, parce que des milliards à l'échelle de l'économie mondiale ou même française, c'est pas beaucoup. Je rappelle que le PIB français, c'est 2 200 milliards d'euros. Le PIB européen doit se balader aux alentours de 12 000. Donc, si pour un PIB européen qui fait 12 000 milliards d'euros par an, on dépense 5 milliards d'euros par an en R&D sur le véhicule électrique, bah, ça va bien, quoi. Je veux dire, y a pas de problème avec ça. La question, c'est est-ce qu'on doit déployer des véhicules électriques d'une tonne pour remplacer le milliard de voitures qui circulent actuellement dans le monde? Et là, la réponse est non. Il faut s'y prendre autrement. Alors, je vous renvoie aux travaux du Shift Project qui ont porté sur la mobilité dans les zones de moyenne densité, en fait essentiellement la mobilité du quotidien. Et je vous renvoie par avance à ce qui va sortir dans le cadre du Shift Project, enfin du plan de transformation de l'économie française, où on aura différencié mobilité longue distance et mobilité du quotidien, parce que les motifs de déplacement ne sont pas du tout les mêmes. La longue distance, c'est pour se balader, hein, c'est essentiellement loisir. Le quotidien, c'est essentiellement pour des trajets dits obligés, aller bosser, aller à l'école, enfin aller bosser, sauf en télétravail maintenant. Aller à l'école, aller faire ses courses, enfin bon, bref, c'est des choses qu'on fait, j'ai envie de dire, avec une marge de manœuvre qui est moins importante que pour aller voir sa belle-mère ou aller se changer les idées. Et donc, donc dépenser des milliards, encore une fois, pour que tout ça change, pose pas de problème. Dans les marges de manœuvre qu'on propose au Shift Project, donc sur la mobilité du quotidien, il y a un cocktail dans lequel il n'y a pas que la voiture électrique, il y a le covoiturage, il y a l'électrification, il y a le vélo, électrique ou pas électrique, il y a les transports en commun, il y a la marche, donc pour faire un cocktail de tout ça. Et puis à plus long terme, il y a un sujet urbanisme. Il est bien évident que quand on a bâti l'urbanisme autour de la voiture, bah, c'est plus difficile de se passer de la voiture. Donc j'ai envie de dire qu'à l'horizon de 50 ou 100 ans, la quantité de voitures électriques dont on aura besoin dépend aussi de l'urbanisme. Et enfin, dernier point, s'il y a un segment de transport à électrifier en priorité, encore plus que tout ce que je viens d'évoquer, pardon, je pencherai plutôt pour le fret, parce que les marchandises n'ont pas de jambes, et donc les gens, eux, ils peuvent utiliser leurs jambes. Donc on n'a plus de voiture, on monte sur un vélo, alors on râle, c'est un peu plus, c'est long, etc. Mais bon, si nécessité fait loi, on y arrivera. Alors que mettez un colis sur un vélo, ben, il ne pédalera pas tout seul. Donc, vous avez aussi un sujet d'électrification des utilitaires. Et là, l'utilitaire, il transporte. Donc, alors, on peut faire des utilitaires vélo cargo, etc. Donc, toute cette réflexion est en cours. Et oui, l'électrification est le seul moyen de conserver des transports à assistance mécanique dans un monde dans lequel le pétrole aura disparu, parce que par ailleurs, je suis de plus en plus perplexe en ce qui me concerne sur ce qu'on appelle les biocarburants et qui sont en fait des agrocarburants. Parce que dans les usages des terres que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire si je fais une hiérarchie dans les usages des terres entre biodiversité, se nourrir, matériaux, c'est-à-dire bois et fibres, et infrastructures, le truc que j'ai envie de mettre tout en bas, c'est les agrocarburants. C'est vraiment le truc qu'on fait s'il nous reste de l'espace. Sauf qu'aujourd'hui, il nous en fait pas, il nous en reste pas. Donc, plutôt que d'avoir des voitures qui consomment toujours la même chose, dans lesquelles il y a 10 ou 20% d'agrocarburants qui rentrent avec le pétrole, eh bien, je préfère de très loin que les voitures consomment la moitié de ce qu'elles consomment aujourd'hui et qu'on impose ça réglementairement et que on n'ait pas besoin des surfaces pour faire des agrocarburants. Et si on a besoin de payer des agriculteurs pour faire des trucs intelligents, eh bien, il y a plein de trucs intelligents à leur faire faire, dans lesquels je crois avoir évoqué quelques possibilités. Lors d'une question précédente. Donc, à titre personnel, les agrocarburants, je pense qu'il faut arrêter et il faut viser de s'en passer par la sobriété et l'électrification. Et la sobriété est évidemment la première marge de manœuvre, je le redis, quand on remplace une voiture par un vélo, diviser la masse de matière à transporter, indépendamment de la carcasse, par un facteur 50, c'est pas un petit gain, c'est quelque chose d'absolument massif. Voilà, voilà. Alors, pardon, il y avait une deuxième partie à la question qui est-ce qu'il ne faut pas diriger ces fonds vers la transition énergétique des cimenteries? Mais il faut aussi faire la transition énergétique des cimenteries. Il faut pas, voilà, c'est pas ou, c'est et des centrales à charbon, bien sûr. Alors, même motif, même punition. En ce qui concerne la cimenterie et en ce qui concerne les centrales à charbon, eh bien, il faudra mélanger sobriété et décarbonation.
C'est toujours l'équation de Kaya, quelque part, qu'on applique à tous ces secteurs. C'est exactement comme ça qu'on est en train de raisonner dans le plan de transformation, hein, c'est avec des équations de Kaya appliquées à tous les secteurs. Alors, dans le domaine français de la cimenterie, je peux déjà vous dire qu'on ne fera pas l'impasse sur les volumes produits. On se prononcera sur le fait que les volumes produits doivent baisser. Après, par tonne produite, il faudra aussi faire des gains, mais il faudra faire les deux. On ne peut juste pas conserver les volumes actuels si on entend totalement décarboner cette production. C'est vrai pour tous les procédés industriels, mais alors, sauf que si on fait moins de ciment, bah, on va construire moins de logements, c'est absolument évident, et on va construire moins de bâtiments. Donc la question, c'est comment on gère ça? Il semblerait, j'ai pas vérifié les chiffres, mais il semblerait que depuis très longtemps, la Grande-Bretagne construise beaucoup moins de logements que la France chaque année, alors qu'elle a une population à peu près identique. Donc on est en train d'essayer de comprendre à quoi c'est dû. En tout cas, je ne connaissais pas ça, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, et si c'est vrai, je crois que c'est vrai, parce que les gens qui m'en ont parlé, je ne vois pas pourquoi je ne leur ferais pas confiance, eh bien, c'est voilà une question intéressante. Donc, on voit bien que tout ça est systémique. Donc oui, il faut décarboner le ciment, et décarboner le ciment, ça veut probablement dire moins construire, et donc comment ça se gère? Il ne suffit pas de dire, voilà, on va tout conserver, sauf ça. C'est vraiment le problème, hein, de ce sujet systémique qu'est l'énergie, c'est que on touche pas une brique quelque part sans que à ce moment ça déstabilise l'édifice ailleurs. C'est toute la difficulté de réfléchir à ce problème-là. Alors, après, il y a une question sur les engagements de l'Union européenne. L'Union européenne s'est engagée à réduire ses émissions de 55% d'ici à 2030. Alors, c'est à partir de 1990, hein. On est en mai 2021. En Europe, y aurait-il des bons élèves qui auraient déjà établi un plan d'action suffisamment détaillé et chiffré pour donner complète confiance que cet objectif pourra être atteint? Alors, à ma connaissance, non. Alors, je peux vous répondre pour la France, puisque pour la France, il y a un organisme qui a le mandat de répondre à cette question, qui s'appelle le Haut Conseil pour le climat. Donc il se trouve que je suis un tout petit peu au courant des travaux de cet organisme, puisque j'en fais partie. Et donc, si vous suivez un peu la production du Haut Conseil pour le climat, vous verrez que à chaque fois qu'on sort un rapport, on dit que pour le moment, on n'est pas dans les clous. Alors, on n'était déjà pas dans les clous avec les moins 40%, donc on est encore moins dans les clous avec les moins 55%. Donc, la réponse est non. En ce moment, est en train de se discuter à l'Assemblée nationale une loi sur, enfin, va se discuter à l'Assemblée nationale une loi sur la décentralisation. Cette loi sur la décentralisation, si j'en crois les shifters qui ont lu ces 850 pages, je leur tire mon chapeau, parce que ça doit être moins passionnant à lire qu'un un bon Fred Vargas, eh bien, le climat est totalement à côté. Des mesures qui sont proposées. C'est-à-dire qu'il n'est juste pas intégré dans la réflexion. Donc d'abord, vous allez commencer par dire aux élus, faites comme ceci, faites comme cela, gérez l'urbanisme comme ceci, ne le gérez pas comme cela, etc. Puis un jour, on vous dira, ah, tiens, ben merde, j'ai oublié de leur parler de climat dans cette histoire, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah, maintenant, vous faites rien. Ils font comme avant, ou ils font ce qu'il faut pas. Donc la réponse est non. Il y a des grands discours aujourd'hui, sauf que quand on regarde en pratique comment les choses se passent, ben, les choses ne se passent pas. Et je ne vois pas de raison fondamentale de penser que pour l'essentiel des pays européens, qui sont des démocraties et donc qui ont des modes de fonctionnement qui ne doivent pas être très très éloignés de ce qu'on trouve en France, j'ai pas de raison de penser que c'est très différent. Je pense que ça marche à peu près de la même manière. C'est-à-dire que vous avez également des gouvernements qui traitent les trucs en silo, avec des gens qui se parlent peu, etc., et des bouclages systémiques qui ne sont pas faits. S'il y avait un pays à regarder, ça serait la Grande-Bretagne. J'ai pas été le faire, je vous avouerai. Elle ne fait aujourd'hui plus partie de l'Union européenne, donc je ne sais pas comment elle va se positionner vis-à-vis de cet engagement de moins 55. Mais en attendant, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pays qui ont un plan crédible pour y arriver? Non. Et d'autant moins que, comme vous le savez, tous les pays disent par ailleurs qu'ils vont y arriver dans un contexte de croissance économique. Or, l'équation de Kaya montre que marier la croissance économique et... alors pour ceux qui ne connaissent pas l'équation de Kaya, il y a une page sur mon site perso qui s'appelle « Qu'est-ce que l'équation de Kaya? » Donc, voilà, ça vous donnera la règle du jeu. Eh bien, l'équation de Kaya, c'est une règle de 3, hein. L'équation de Kaya montre que de marier la baisse des émissions de CO2 et à cause du rôle particulier de l'énergie dans l'économie, hein, et la croissance économique se rapproche de la quadrature du cercle.
Et du reste, l'Agence européenne de l'environnement, qui est une des institutions officielles de l'Union, hein, comme la Cour de justice ou la Commission, eh bien, a émis un papier, enfin, a publié un papier en janvier dernier, dans lequel il est écrit qu'il est extrêmement peu probable qu'on arrive à marier la croissance économique avec la diminution des pressions sur l'environnement. Donc c'est une institution officielle de l'Union qui le dit, et ils ont publié ça à peu près au même moment où la Commission parlait de croissance verte, ce qui est assez rigolo. Je n'ai pas vu beaucoup de journalistes reprendre ce papier, par contre ils ont tous continué à parler de croissance verte. Bon, donc je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, on continue à être dans l'illusion totale, qui est qu'on va avoir à la fois la croissance et la baisse forte des émissions de CO2, voire même l'un grâce à l'autre, car grâce à la croissance, on aura plein de moyens, du coup on va pouvoir investir partout et tout décarboner. Personnellement, je suis beaucoup plus perplexe, et donc je pense que si on a les moins 55%, ça se fera dans le cadre d'une récession dont personne n'a idée aujourd'hui, et que si on n'est pas dans le cadre d'une récession dont personne n'a idée aujourd'hui, malheureusement, on ne fera pas les moins 55. Voilà ce que je crois. Alors on fera moins quelque chose, hein, quand même, c'est absolument évident, mais le plan structuré, systémique, organisé qui permet d'y arriver, aujourd'hui, il n'existe pas, tout simplement parce que l'élément climat n'est pas présent dans l'essentiel des décisions que prennent les gouvernements dans les secteurs dont ils ont la charge. Alors, une des raisons à ça aussi est le manque de compréhension de la part de la classe politique du problème à traiter. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a Monsieur le maire qui a fait un post sur l'hydrogène, sur le fait qu'on a mis Energy Observer sous vous savez, le bateau qui fonctionne avec du photovoltaïque et qui a une pile à combustible, et on l'a mis sous la tour Eiffel pour illuminer la tour Eiffel avec l'énergie, enfin avec l'électricité produite par Energy Observer. Et alors Bruno Le Maire de s'extasier en disant: Ah, c'est génial, c'est l'avènement de l'économie bas carbone. Alors j'ai fait un petit calcul d'ordre de grandeur. Energy Observer produit son électricité avec des panneaux photovoltaïques, c'est 50 grammes de CO2 par kilowattheure. Une fois que vous avez électrolysé l'eau et que vous avez compressé l'hydrogène derrière, surtout sur l'électrolyseur de Energy Observer, qui est un petit électrolyseur, donc qui ne doit pas être optimal en termes de rendement, il vous en reste la moitié. Donc vous êtes à 100 grammes de CO2 par kilowattheure d'hydrogène que vous avez récupéré. Après, vous faites passer ça dans une pile à combustible pour refaire de l'électricité. Et à ce moment, vous êtes à 200 grammes de CO2 par kilowattheure électrique qui en sort. Donc la tour Eiffel est illuminée grâce à Energy Observer avec du kilowattheure électrique à 200 grammes de CO2, alors qu'en ce moment, le réseau est à 20. J'ai regardé pas plus tard que ce matin sur RTE. Donc en fait, le décarboné est 10 fois plus carboné que l'électricité de réseau. Voilà, donc c'est. Alors bon, j'ai rien, j'ai pas une dent particulière contre Monsieur le maire. Je suis juste en train de dire. C'est un exemple que je prends pour montrer qu'aujourd'hui, un des obstacles aussi à faire des plans crédibles en ce qui concerne la décarbonation de l'économie est tout simplement le fait que les gens qui s'occupent d'économie n'ont essentiellement pas de compréhension ou pas de compréhension suffisante sur la physique sous-jacente et les enjeux sous-jacents quand on parle de changement climatique et quand on parle d'énergie. Donc, du coup, ils ne peuvent pas prendre des mesures pertinentes, ne serait-ce que parce qu'ils ne comprennent pas le problème, ou ils croient comprendre, peut-être, je ne sais pas, le problème en question. Parce que pour en revenir à la question par laquelle j'ai ouvert cette petite discussion, ou exactement ce long monologue, eh bien, est-ce qu'en off, les gens vous disent comprendre? Oui, la seule fois dans ma vie où j'ai vu Monsieur le maire en face à face, j'étais pas seul, mais enfin la seule fois de ma vie où je l'ai vu en face à face, il tenait le discours de quelqu'un qui disait: j'ai parfaitement bien compris et je vais m'occuper du problème. Donc voilà, donc est-ce que ça veut dire qu'il a tout bien compris? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un vrai sujet de compréhension. Est-ce que cette compréhension est meilleure dans d'autres pays? Probablement. Est-ce qu'elle est parfaite dans certains pays? Je ne crois pas. Enfin, ou ça m'étonnerait. Est-ce que c'est un déterminant de l'action pertinente? Assurément. Est-ce qu'elle garantit l'action pertinente? Non, parce que nous restons en démocratie, et donc en démocratie, si l'électorat veut un truc con, même si la personne, enfin un truc con, veut quelque chose qui ne résout pas le problème, c'est pas dire con, eh bien, est-ce que l'élu qui lui-même a bien compris que c'était pas pertinent s'empêcherait de l'appliquer? Absolument pas. Regardez Madame Merkel qui a très bien compris ce qu'elle faisait quand elle a décidé de supprimer le nucléaire en Allemagne, parce qu'à titre personnel, elle pensait que c'était une ânerie, elle l'a faite quand même. Donc, voilà, donc tout ça est une équation compliquée.
Et on en revient toujours et encore au même point de départ, qui est qu'en démocratie, ce n'est pas les élus qu'il faut convaincre, c'est l'électorat. Et donc, c'est vraiment ça le sujet. Donc, les pays, pour finir de répondre à la question, feront un plan crédible sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre le jour où non seulement eux auront compris les contreparties, mais le jour où l'électorat aura compris les contreparties. Et ça me renvoie aussi à une partie de ce que j'ai répondu au début de ce monologue, donc, qui était que aujourd'hui, les décideurs qui ont bien compris que de respecter les limites planétaires, c'était la fin de la croissance, eh bien, il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est avec ces gens-là qu'on peut commencer à discuter. Et il faut que l'électorat comprenne ça aussi et accepte de négocier sur ces bases. Voilà. Après, les vraies questions difficiles commencent derrière. Comment est-ce que là-dedans, je leur dis, on change totalement de paradigme et pour autant on n'est pas désespéré? Comment est-ce que les gens n'ont pas le sentiment d'être ceux qui font le plus d'efforts au détriment, enfin, alors que d'autres en font moins qu'eux? Enfin, voilà, c'est la question du partage de l'effort et de l'équité, c'est essentiel quand on commence à transpirer. Enfin, voilà, c'est ça les questions qui sont importantes. Bah, mais c'est des questions qu'on peut commencer à traiter. Qu'une fois que on s'est accordé sur la contrepartie essentielle de l'affaire, qui est qu'il n'y a plus de croissance. Et ce postulat-là aujourd'hui n'est quasiment intégré par aucun élu et aucun décideur, à commencer par les décideurs européens. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? Allez, on va encore prendre deux questions qui ont obtenu. Ah non, tiens, là, il y a une question qui a obtenu 35 points. Quelles seraient selon vous les actions à mettre en place rapidement au niveau du numérique et de l'informatique? La réponse, elle est dans le rapport, enfin, elle est pour partie, pardon, dans les rapports qu'ont sorti le Shift Project sur le numérique. Alors je rappelle quelques évidences. D'abord, je tire les oreilles de tous ceux qui me regardent en autre chose que du 144 pixels par pouce, je vous préviens, j'ai les noms. Parce que c'est en gros aujourd'hui la vidéo en ligne, donc ce que je suis en train de faire là typiquement. J'ai honte, me cacher sous. La vidéo en ligne, c'est 75% ou 80% de l'accroissement de l'usage d'Internet. C'est ça qui tire très très fortement la hausse de l'usage d'Internet. Cette vidéo en ligne se répartit en gros en quatre morceaux. Un quart c'est Netflix, un quart c'est le porno, un quart c'est YouTube et un quart c'est tout le reste, dont ce que je suis en train de faire en ce moment. Et puis après, je passerai sur YouTube où je contribuerai à l'autre quart. Et si j'en crois mes détracteurs, ce que je dis est tellement grossier que peut-être on pourra me ranger dans la catégorie porno, je ne sais pas. Donc la priorité des priorités, c'est d'arrêter l'inflation à l'augmentation du flux de données. Ce qui, par ailleurs, a un effet de bord majeur. C'est que ça augmente la puissance des data centers, et la consommation des data centers, c'est 20% de l'empreinte carbone du numérique. Ça augmente la rotation des équipements, parce qu'il faut des équipements de plus en plus puissants pour se servir de ce surplus d'images. Et la fabrication de nos terminaux, c'est de mémoire de l'ordre de 45%. Non, un peu les composants de réseau là-dedans, ça doit être 40% des émissions, donc TV, écran, smartphone. Donc en gros, c'est arrêter l'inflation de tout ça. Alors, quelles sont les mesures qui peuvent le permettre? Il y en a deux ou trois, très concrètes. La première, c'est d'allonger la durée légale de garantie des objets numériques. Si l'ordinateur que je suis en train d'utiliser, sa durée légale de garantie passe à 10 ans, et ça, je pense que c'est à la main de l'État, eh bien, ça veut dire que le constructeur qui me l'a vendu, si son appareil tombe en panne avant 10 ans, parce qu'il se dit comme ça d'habitude, dès que la durée légale de garantie est passée, voire l'assurance pour les 3 ans, eh bien, crac, il va être obligé d'en racheter un nouveau parce que de toute façon, il ne peut pas faire sans. Eh bien, ce qui avant était une source de profit devient une charge, puisque j'en achèterai pas un nouveau, je demanderai la réparation de l'ancien aux frais du constructeur. Donc là, ça veut dire que vous ralentissez fortement la rotation du parc d'appareils. Alors évidemment, Apple va faire la gueule, hein, et sa capitalisation autant, et les fonds de pension américains qui sont investis chez Apple tout autant. Mais par contre, ça baissera l'empreinte carbone du numérique. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est mettre les opérateurs
sous contrainte d'empreinte carbone pour leur accorder les fréquences. Parce qu'une bonne partie de l'empreinte carbone passe par les réseaux sans fil, donc la fibre optique, ça va à peu près. Par contre, la 4G et plus encore la 5G, ça va beaucoup moins. La consommation énergétique par kilo-octet transféré est beaucoup plus élevée. Et donc, on pourrait, c'est une proposition que le Haut Conseil pour le climat a faite, et c'est une proposition qui a été reprise par la loi qui vient d'être votée au Sénat, dire à l'ARCEP, donc à l'organisme de régulation des télécoms, vous autorisez les licences aux opérateurs sous condition que leur empreinte carbone baisse en accord avec la SNBC, donc avec la stratégie nationale bas carbone, de 1, 2, 3, 4, 5% par an. Et s'ils font pas ça, ben crac, vous leur tirez la licence. Donc ça, c'est quelque chose qui serait très utile parce que, en fait, dans le numérique, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, le système est très tiré par une politique de l'offre. C'est-à-dire, une fois que l'offre existe, tous autant que nous sommes, vous, moi, tout le monde, on est quand même des ados attardés. Une fois que le machin existe, on a quand même vachement de mal à pas se rouer dessus. Donc, en fait, la seule manière de faire en sorte qu'on se limite, c'est que l'offre n'existe pas et qu'on se dise tous collectivement à l'avance, très bien, regardez les poils de nez de Jean Covici en un peu plus haute définition, je vois pas ce que ça va m'amener, et ça c'est sûr que ça va rien vous amener, donc c'est pas utile d'aller vers ça, et donc on s'en passera, et puis on sera heureux en faisant autre chose, en mangeant des fraises tant qu'il en reste. Donc le... Pardon, c'est pas les poils qui me démangent. Donc le sujet est vraiment d'essayer d'avoir une limitation un peu centralisée au niveau de l'offre, et il faut agir sur deux ou trois composantes. J'ai envie de dire le problème est désagréable, enfin où les réponses sont désagréables, justement parce que le problème est assez simple. Le problème assez simple, c'est qu'il faut limiter la bande passante, limiter la rotation des équipements et coller la contrainte à ceux qui la maîtrisent, c'est-à-dire les opérateurs. Voilà, et les opérateurs et les constructeurs. C'est très simple. On pourrait aussi imaginer une taxe carbone sur le numérique, etc. Mais enfin bon, là, le temps qu'on arrive à mettre ça en place, on sera tout à fait débordé par le sujet. Alors j'ajoute que, y a un autre élément qui est majeur à mon avis à avoir en tête dans cette affaire, qui est un élément de résilience. Aujourd'hui, il ne vous échappera pas, surtout qu'en ce moment c'est l'époque, que l'État est devenu infoutu d'assurer sa fonction la plus régalienne, qui est de lever l'impôt, sans les GAFA. C'est-à-dire que, alors moi je suis dans un département où je ne l'ai pas encore fait, donc je m'apprête à faire ma déclaration d'impôt. Je vais faire ça par Internet, c'est-à-dire par les GAFA. Je vais utiliser un ordinateur qui est fabriqué par les GAFA. Je vais utiliser un système d'exploitation qui est fabriqué par les GAFA. Je vais utiliser Internet qui est géré par les GAFA pour me connecter au site du ministère des Finances. Par ailleurs, mon ordinateur aura été fabriqué, alors pas avec des GAFA, mais avec les équivalents taïwano-chinois ou sino-taïwanais, c'est-à-dire les fabricants de puces et les fabricants de microprocesseurs. Donc aujourd'hui, le fonctionnement de notre pays est totalement dépendant, je dis bien totalement dépendant, d'un certain nombre d'acteurs externes qui sont ceux qui fabriquent les puces, les ordinateurs et qui font fonctionner le système et qui fabriquent les logiciels d'exploitation. On est pieds et poings liés avec ces gens-là. Donc on a un autre sujet sur le numérique qui est un sujet de souveraineté. Alors ou bien on considère que ça nous va très bien d'avoir été entre guillemets vassalisés de fait. Parce que finalement, le vassal, il est sous la protection de son seigneur. Peut-être que c'est pas une si mauvaise qui a intérêt à le garder dans son champ d'influence. Donc peut-être que finalement, c'est ça qu'il faut qu'on joue. Donc on devient une province américaine ou chinoise, je ne sais pas. Ou bien on décide que c'est pas exactement ça dont on a envie. Et alors là, à nouveau, il n'y a pas de vérité scientifique là-dedans. Hein, c'est une affaire de préférence. Et à ce moment, on a quand même un peu de grattage de tête à faire sur la question de est-ce que le système actuellement est satisfaisant? Est-ce qu'il est satisfaisant qu'il y ait un producteur de puces taïwanais qui, lorsqu'il a des problèmes pour produire, notamment à cause d'une sécheresse, quand même assez, voilà, le climat s'invite à nouveau dans la partie, fasse qu'on commence à avoir des problèmes d'approvisionnement sur la construction des voitures en France? Et plus largement, est-ce que, quel est le pouvoir réel qu'exercent ces gens-là sur une société qui est devenue totalement incapable de fonctionner sans numérique? C'est-à-dire sans numérique aujourd'hui, vous payez plus vos achats, vous ne communiquez plus avec personne, il n'y a plus d'organisation des transports, enfin il n'y a rien, quoi, je veux dire, c'est... Et il n'y a même plus la procédure de backup sur papier. C'est fini. Enfin, je veux dire, c'est fini. On ne peut pas revenir à l'impression de billets papier pour compenser le fait que les ordinateurs bancaires disparaîtraient et comptabiliser à la main
toutes les opérations qu'aujourd'hui les ordinateurs comptabilisent automatiquement. On ne peut plus, il y en a trop. Bon. Aujourd'hui, un crack numérique ou un crack d'Internet, c'est quelque chose qui est... Bon, je ne vous apprends rien, hein, je veux dire, la cybersécurité, c'est un enjeu, etc. Peut-être que ce que je suis en train d'évoquer n'arrivera pas, j'en sais rien. En tout cas, il me semble que là, le sujet environnemental et le sujet résilience vis-à-vis d'un certain nombre d'éléments indispensables dont on ne connaît pas bien la pérennité, se rejoignent. Voilà, c'est par ça que je voulais conclure. Après, dans les autres questions, alors il y a une question sur le stockage dédié aux sources d'énergie intermittentes. Ça, je vais répondre rapidement parce que c'est assez facile de répondre rapidement. Aujourd'hui, vous avez dans le monde, alors je suis désolé pour ceux qui ont déjà entendu ce calcul d'ordre de grandeur, il y a un peu plus de 7000 gigawatts de puissance électrique installée. C'est-à-dire, si vous regardez la totalité des moyens de production qui sont installés dans le monde, vous avez un peu plus de 7000 milliards de watts de puissance de production électrique. Vous avez un peu plus de 2% de cette puissance de production qui est de la puissance de stockage. C'est-à-dire que vous avez de 160 gigawatts, en gros, 160 gigawatts, de puissance de stockage. C'est-à-dire que, en gros, à un instant donné, il n'y a que 2% de la production qui peut être stockée. C'est ça que ça veut dire, hein, dans le monde, dans son ensemble. Au sein de ces 2%, vous en avez moins de 1% qui est constitué de batteries. Le reste, c'est essentiellement des barrages réversibles. On en a en France, hein, par exemple le barrage de Grand-Maison. Donc c'est un barrage dans lequel vous avez un réservoir à l'amont, un réservoir à l'aval. Et le réservoir à l'amont laisse filer de l'eau qu'on turbine quand on s'en sert comme barrage. Et quand on veut s'en servir pour stocker, à ce moment, on reprend l'eau dans le réservoir à l'aval et avec une pompe, utilisant l'électricité qu'on a en trop, pof, on le remonte dans le réservoir à l'amont. Alors c'est ça qui fait l'essentiel de la puissance de stockage sur Terre, pour 2%, je le répète, de la puissance de production électrique. Donc même sans parler des batteries, aujourd'hui on serait totalement incapable d'avoir un système de stockage permettant d'avoir que des éoliennes et des panneaux solaires. Donc il faudrait rajouter des batteries. Alors avec la totalité du lithium disponible sur Terre, il y a un ingénieur du CEA qui avait fait le calcul qu'on pourrait stocker quelques jours de production électrique sur Terre. Je dis bien quelques jours de production électrique sur Terre. Bon. Donc on n'est pas du tout dans les ordres de grandeur qui permettent. Or, RTE a sorti il n'y a pas longtemps un rapport montrant que en France, pour pallier la variabilité interannuelle du climat. Alors, c'est quoi la variabilité interannuelle du climat? C'est le fait que la quantité totale de vent n'est pas constante d'une année sur l'autre. Il y a des années avec beaucoup de vent, des années avec moins de vent. Il y a des années avec beaucoup de soleil et des années avec moins de soleil. Et alors, si vous paluchez une année avec que des hivers gris mais anticycloniques et peu ventés versus et des étés gris versus je sais pas quoi, vous avez en gros entre 10 et 20% de différence de production. Donc ça voudrait dire qu'il faut stocker entre 10 et 20% de la production d'une année sur l'autre, pour être capable de pallier la variabilité interannuelle des sources intermittentes et fatales. Si vous êtes capable de stocker 3 jours de production sur batterie, bah vous voyez que le compte n'y est pas du tout. Donc l'idée qu'on va pouvoir utiliser les batteries pour créer un système produisant autant d'électricité qu'aujourd'hui et en stockant tout sur batterie est à mon avis totalement hors d'atteinte. Ni moi ni mes enfants ne verront jamais ça, ni mes petits-enfants. Et pour en revenir à de l'électricité purement stockée sur batterie, en gros, ça veut dire qu'il faudra diviser la quantité totale d'électricité qu'on utilise dans le monde par un facteur de plusieurs dizaines. Alors, je ne sais pas exactement combien, je n'ai pas fait les calculs, mais ça me paraît être ça le bon ordre de grandeur. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête, hein. Donc, ça veut dire quelques dizaines de fois des machines électriques en moins pour nous, et donc moins de toutes les machines qu'on aime bien aujourd'hui, les ascenseurs, les laminoirs, il y a moins de tout ça, quoi. Je ne parle pas juste des cafetières électriques et des radiateurs, hein, moins de tout. Et des robots chirurgicaux. Et des roulettes pour dentiste, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle. Donc, l'idée que les batteries vont être un déterminant significatif de la transition des systèmes électriques vers du renouvelable et du stockage, à titre personnel, j'ai des doutes. Si on voulait vraiment faire du stockage massif, il faudrait faire des steps de manière massive. Alors, on pourrait éventuellement, hein,
Là aussi, j'ai fait des petits calculs d'ordre de grandeur. On pourrait imaginer, par exemple, reste à se mettre d'accord avec les Suisses, que la totalité de l'eau du Léman sert de réservoir à balles, et on noie la totalité des vallées qui sont autour du Léman, la totalité, pour remonter de l'eau quand il y a du vent et du soleil en excès. Voilà, on pourrait faire ça. Après, la question est de savoir si on pense qu'environnementalement, c'est beaucoup mieux qu'un système dans lequel on a du nucléaire, puisque c'est le seul bas carbone pilotable à part l'hydroélectricité. Voilà, c'est ça la question. Ma réponse, vous la connaissez, c'est non. S'il y a des gens qui pensent que oui, bah, voilà, faut discuter. Mais voilà, mais sur batterie, physiquement, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de doutes. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde toujours les. Je suis désolé, hein, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a trop. Donc, je réponds à celles. Je fais le démago, hein, à celles qui ont eu beaucoup d'appréciation, enfin, comment dire, d'engagement. Pas comment on dit like en français. Bon, bref. Et donc j'avais encore un truc là qui m'avait que j'avais vu passer. Ah voilà, l'isolation des bâtiments. On parle beaucoup d'isolation des bâtiments pour en réduire la consommation d'énergie, mais beaucoup de matériaux utilisés sont très énergivores, etc. Est-il viable, possible, pertinent d'avoir une plus forte utilisation de matériaux biosourcés dans un monde où on approche les 8 milliards d'âmes? Alors, la réponse à ça, c'est que, en fait, oui, la fabrication des matériaux d'isolation non biosourcés est énergivore, mais le temps de retour énergétique de ces matériaux, c'est-à-dire l'énergie que ça permet, et qui est une énergie fossile souvent, pour les maisons en tout cas chauffées, enfin pour les logements chauffés au gaz et au fioul, le temps de retour énergétique de ces matériaux est assez faible. En fait, quand vous regardez, c'est souvent de l'ordre de l'année, voilà, voire moins. Donc en gros, ça reste quand même macroscopiquement une bonne affaire d'isoler même avec des matériaux qui sont non biosourcés. Alors si en plus on peut les biosourcer, c'est bien, mais les biosourcés renvoient à la question que j'ai évoquée tout à l'heure, une question pas simple, qui est la concurrence d'usage des sols entre le matériau, l'énergie, la biodiversité et l'alimentation. Alors, et les infrastructures humaines. Historiquement, c'est la biodiversité qui a gagné la partie. C'est-à-dire que quand les hommes étaient très, très peu nombreux, la totalité de leur agriculture, plus leurs infrastructures, plus le bois qu'ils utilisaient comme matériau d'œuvre, plus le bois qu'ils utilisaient pour fournir de l'énergie, tout ça était petit devant la quantité totale de forêt qu'il y avait. Alors que je dis historiquement, enfin ça, c'est il y a 2000 ans, on va dire. Il y a 2 siècles, c'était déjà plus vrai. Hein. Le minimum forestier en Europe, c'est 1850. Mais donc on retombe dans un cas particulier, et donc après, il faut faire des calculs d'ordre de grandeur que je confesse ne pas avoir fait. C'est-à-dire, si on voulait en France isoler 1 million de logements par an avec des matériaux biosourcés, qu'est-ce que ça demanderait comme surface dédiée à la production du matériau qui permet de faire les isolants biosourcés? Et je dois dire que, comme je n'ai pas fait le calcul, malheureusement, je n'ai pas de réponse à vous donner. Donc peut-être que ça passe, peut-être que ça passe pas, je ne sais pas. La seule chose qui est sûre, c'est que si ça ne passe qu'en faisant de la déforestation, alors là, il vaut mieux utiliser des isolants minéraux. Là, il n'y a juste pas photo. C'est absolument évident. Et ça peut même se poser, cette question, si on a comme arbitrage, d'un côté, je crée des forêts en croissance et j'utilise du gaz pour faire des matériaux minéraux. Et de l'autre côté, je n'utilise pas le gaz pour faire des matériaux minéraux, mais je ne laisse pas ma forêt croître et donc mon stock de carbone croître. Et bien même là, il faut faire des calculs, parce que ce n'est pas évident qu'on n'ait pas intérêt à utiliser des matériaux minéraux et non pas biosourcés pour faire cette isolation. Voilà, donc j'ai envie de dire, la réponse est une réponse de méthode. Aujourd'hui, comme je n'ai pas fait de calcul, j'espère que s'il y a des collaborateurs à Carbone 4 qui l'ont fait, ils ne m'en voudront pas de dire que je ne sais pas, parce qu'à ce moment, je devrais savoir. Mais en tout cas, à titre personnel, le calcul, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Voilà. Eh bien, écoutez, vu l'heure, je pense qu'on s'approche de la fin. Allez, est-ce que j'ai une dernière question là? Donc je me dis, allez, celle-là, je m'en fiche. Personne ne l'a aimée, mais moi, elle me plaît. Ah, si, il y en a une qui me plaît là. Ben voilà.
Est-ce que la mise à l'arrêt contraint des machines par manque de croquettes, c'est-à-dire par manque d'énergie, permettra-t-elle de remettre tout le monde au travail et d'endiguer définitivement le chômage? Alors, la réponse, c'est à terme, oui. À court terme, c'est l'effet exactement inverse. Pourquoi est-ce qu'à court terme, c'est l'effet exactement inverse? Parce que aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, l'essentiel des emplois sont devenus des emplois d'auxiliaires de la machine. Alors, je vais commencer par moi, je suis un auxiliaire de la machine. Sans ordinateur, je ne pourrais pas manier de tableur Excel, de PowerPoint, etc. Donc, je ne pourrais pas faire le consultant. Du reste, dans un monde sans machine, il n'y avait pas de consultant. Donc, je suis un enfant de l'énergie abondante, alors qu'en apparence, je fais un truc dématérialisé. Vous voyez, je suis dans un bureau, ça fume pas, il n'y a rien qui fait du bruit, il n'y a rien qui émet de la fumée, voilà, tout est immobile à part moi dans ce bureau. Enfin, ouais, en fait, non, malheureusement, consultant, c'est un métier au niveau auquel il est actuellement aujourd'hui, c'est malheureusement un métier d'auxiliaire de la machine. Après, c'est vrai pour, je peux prendre tous les gens d'aujourd'hui. Vous voyez, ce matin, je suis allé au marché, acheter quelques fruits, eh bien tous les gens qui étaient là étaient des auxiliaires de la machine. Les commerçants sont venus en camion, ils ont vendu des fruits qui ont été récoltés par des tracteurs, qui ont été acheminés aussi par des camions. Ils m'ont donné ça dans des pochons en papier qui ont été fabriqués par des machines. Donc en fait, ces gens sont tous des auxiliaires de la machine. Voilà. Et si j'avais un robot intelligent pour me prendre les trucs sur les étalages, à la limite, le commerçant, alors il serait beaucoup moins drôle, les robots, mais les commerçants ne seraient pas utiles. Si je supprime les machines, donc là, imaginons que pour mon commerçant, je supprime les camions. Est-ce que ça va remplacer instantanément mon commerçant par, il part dans le sud-ouest chercher, ou dans le sud-est chercher les cerises, celles qui n'ont pas gelé, et il y en a, je peux vous le dire, j'en ai acheté ce matin, et il les amène à dos d'homme jusque là où j'habite pour me les vendre. Non, non, pas du tout, il fait faillite. Donc en fait, alors, une manière plus, j'ai envie de dire, plus orthodoxe de dire la même chose, c'est qu'aujourd'hui, le différentiel de productivité entre la machine et l'homme est tel, que si vous supprimez une machine, vous ne créez pas un emploi à la place. Pour remplacer la machine, il faudrait créer des milliers, des dizaines de milliers d'emplois à la place, et en l'occurrence, là, pour remplacer un camion, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'équivalence, un moteur de camion, c'est puissant comme 4000 paires de jambes. Bon, et même 4000 paires de jambes puissantes vont pas aussi vite qu'un camion qui est censé ne pas dépasser les 90 sur autoroute, qui dépasse souvent, et les 80 à pleine charge, qui dépasse tout le temps. Mais la paire de jambes à 80 km/h, j'en connais pas beaucoup, hein. Donc, en tout cas, pas sur quelques centaines de kilomètres. Donc, donc, ce qui va se passer, c'est que si vous supprimez le camion, vous n'allez pas le remplacer par une, deux ou cinq personnes, vous allez devoir le remplacer par des milliers de porteurs, voire si vous voulez assurer le même débit, comme ils vont moins lentement, comme ils vont plus lentement, pardon, ces porteurs, par des dizaines de milliers de personnes. Et à ce moment, le coût du transport, il n'augmente pas de 20%, il augmente de quelques milliers. Et ça devient insupportable pour le système économique. Et donc, vous n'avez pas la substitution de la machine par l'homme. Vous avez l'arrêt du flux et l'arrêt des emplois qui sont associés au flux. Et cet exemple que je viens de prendre, je pourrais le prendre pour n'importe quel autre emploi. Un emploi de vendeur dans un magasin de centre-ville, donc quand je vais non pas au marché à côté de chez moi, mais au supermarché à côté du bureau, c'est exactement pareil. C'est des auxiliaires de la machine, hein. C'est des auxiliaires des camions qui sont venus livrer. C'est pas péjoratif de dire ça, hein. Je peux encore une fois, même moi, je suis un auxiliaire de la machine. Enfin, même moi. Moi aussi, il n'y a pas de même. Moi aussi, je suis un auxiliaire de la machine. Donc, nous sommes tous des auxiliaires de la machine, et encore une fois, la puissance de la machine comparée à la puissance de l'homme est tellement supérieure que si je supprime une machine, tout ce que je fais, c'est que je supprime l'emploi associé, mais j'en crée pas d'autres en face. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, à court terme, malheureusement, supprimer des machines, ça crée pas de l'emploi, et c'est la raison pour laquelle baisser l'approvisionnement énergétique de manière subie, ça ne crée pas de l'emploi parce qu'on remplace des gens par les machines, ça supprime des flux physiques dont dépendent les emplois et donc ça supprime les emplois. C'est la raison pour laquelle baisser l'approvisionnement énergétique à court terme, c'est récessif et ça crée du chômage au lieu de, comme on pourrait l'espérer, parce que c'était ça le sens de cette question, créer de l'emploi en remplacement de la machine. C'est bien tout le problème. Voilà, et sur cette question du cœur, puisque c'était la dernière, on a... Allez, je décide qu'il est l'heure de passer à table pour ceux d'entre vous qui sont dans le fuseau horaire français et qui
décident de se sustenter, ou en tout cas qui ont décidé d'arrêter, enfin d'attendre la fin de ce truc-là pour aller se sustenter, ce qui est au moins mon cas. Et la machine en version illustrée sortira le 15 octobre, donc là maintenant je peux vous l'annoncer, donc la BD que je suis en train de finir avec Christophe Blain, et dont nous avons trouvé la fin. Donc on a fait le plus dur, on a enfin trouvé la manière dont ça devait se terminer. Doit sortir le 15 octobre, et donc Iron Man, ben, vous le verrez peut-être. Voilà, et ben écoutez, merci à celles et ceux qui ont été patients jusqu'à maintenant, ou en tout cas qui ont attendu la fin, je ne sais pas, peut-être qu'ils sont arrivés en cours de route. Et puis, pour ceux du fuseau horaire français, bonne soirée. Et pour ceux des autres fuseaux horaires, bonne journée, petit déjeuner, je ne sais pas quoi, bonne nuit. À une prochaine fois peut-être. Au revoir, comme disait l'autre.